C'est bon. Voilà. Bon, bah, allez, c'est parti. Écoutez, bah, bienvenue à tous. Ça me fait très plaisir de vous parler et de faire cette émission avec vous. Exceptionnellement, dans un appart très grand, avec pas beaucoup de lumière. On a un petit lampadaire qui nous agresse, d'ailleurs, avec une petite lumière jaune. Made in moi, la voiture. Ah, bonsoir, Kez. Et voilà, donc on a commencé, on a une petite caméra, on n'a pas trop de wifi, c'est un peu compliqué. Et donc là, c'est que des gens qui font partie de la team BLB que j'ai recruté à mes dépens. Et non, je rigole. Elle nous a vu, elle nous a attrapé. Je les ai pris dans la rue et tout. Non, ils sont super, ils sont super. Et tout le contenu voilà, qui est fait sur Basketland est en grande partie dû à... Basket jaune. Oh, la propagande. Pas la propagande landaise. En plus, c'est réussi. La mafia landaise a réussi sa mission. Oh là là, c'est beau. Oh là là. C'est un lapsus, pas du tout révélateur, parce que je suis pas du tout une fan de Basketland. Non, c'est faux. Et du coup, voilà, donc sur BLB, pardon. Et donc voilà, tout ça, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est important qu'ils viennent. C'est la première fois qu'on se retrouve. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis perdue. Et voilà, donc il y avait les Coupes de France. Eux, je les ai envoyés au final. Et moi, je suis restée ici. Merci. Merci. Voilà. Merci. Ouais. Ouais. Même que j'ai payé, c'est pour ça. Mais sinon, voilà. Mais donc voilà, ils sont partis voir les finales. Et là, l'objectif, on va parler de plusieurs choses. Ça va être donc, du coup, un petit retour sur ces finales de Coupe de France. Il faut savoir que dans l'équipe BLB, il y a une grosse majorité de fans de Basketland. Mais il y en a qu'une. Elle représente la grosse famille. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Ah non, il y a Clem aussi, mais elle n'est pas présente là. Clem, on est ensemble. Voilà. Donc là, il y a des champions avec nous. Il y a des champions de France. Une championne. Une, ça y est. Oh là là, il y a aussi des gens très, très tristes, il faut le savoir. Fans de plus ou moins Bourges et puis les autres, des équipes qu'on ne connaît pas. Et voilà, après, il manque beaucoup de gens. Je pense à Hugo qui devait venir aussi, mais qui n'a pas pu. On a Clémence aussi, Jennifer. Bref, on a une liste de personnes chez nous. Tom aussi. Parce que du coup, on va parler de son équipe du BLMA et on sait pas trop. Ça s'annonce salé, ouais. Et voilà, bon, je pense que après, est-ce que je vous présente, vous voulez que je vous présente moi? Oui, et on peut dire un petit mot, tu nous présentes et on dit un mot. Ouais. Et ben, tu vas commencer. Waouh. Moi, spoil, ça sera championne de France. Voilà, d'accord, ok. Ah oui, voilà. Là, il y a un mec, vous le voyez, il est puni, il est même pas dans la lumière, il est dans l'ombre. Je vous jure que je lui ai rien fait, mais il est là. Ouais, t'as l'air très bien. Mais on est d'accord que je t'ai rien fait. Si, tu m'as puni. Mais... Bonjour, Chuli. Regardez, c'est ma famille. Bonjour, Chuli. Vive Saint-Amand. Oh là là. Ça, c'est pas bon, ça. C'est qui, Gaëlle? C'est ma belle-mère. Bah voilà, il y a tout. Donc en fait, on va avoir tout le schnor là apparemment dans ce live, c'est ça? Let's go, ouais. D'accord. Parce que Basketland, ils sont déjà à la buvette, Bourges, ils sont KO en dépression. Et les autres, Lasvel, ils connaissent. Hors compétition, Lasvel. Voilà. Ils étaient à la salle ce matin. Et lui, il est sur la NBA, donc bon voilà, il est sur un autre programme, c'est peut-être pour ça qu'il est dans l'ombre. Ah, c'est pour ça. Lui, il est sur d'autres devoirs en fait, il est sur plusieurs trucs, voilà. Et là, c'est sur quelle équipe déjà? Moi, j'en ai pas en France. Voilà, elle est sur un autre continent, elle fait partie des... Bien, c'est bien. Voilà, nous, on va voir ailleurs. Voilà, on est sur d'autres choses. Et là, on est sur quoi? Bourges. Parce que, ouais, Bourges, mais en même temps... Lasvel, ouais. Je papille. Elle mange tous les râteliers, c'est le beau jeu. C'est beau, c'est beau. C'est ça, on va dire qu'on est bien. Voilà, vive les ch'timis. Ouais, ouais, bah oui, hein, écoutez, c'est ça, gars. Ouais, on aime bien le vert des ch'timis. Bon, voilà, donc Julie, qui est là depuis longtemps maintenant, un moment. Ouais, ça fait 2 ans, je crois. Deux ans et demi. Voilà, quand on était WNBA France. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est une vraie streameuse. Je valide les propos. Julie, elle a une interview. Voilà, c'est une interview de Julie face à sa famille. On rêve réalisé. Ah, Clémence a dit c'est la première fois que je vois nos têtes. Ouais, nous aussi, c'est la première fois qu'on te voit écrire comme ça. C'est incroyable, c'est génial. Vive les Lensois sans et hors. Oh là, ah non, là, nous, il faut arrêter avec ça. On
y a une nouvelle mafia qui s'est rendue. On a eu ça déjà hier toute la soirée. Aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont eu aussi. Bah, évidemment. Voilà. Mon Dieu, il est abusé. Bref, et c'est les présentations les plus longues de l'histoire. Bref, donc, Julie, oui, c'est toi. Bien sûr, oui. Voilà, et après, c'est à toi, tu m'as dit t'enchaînes et tu te. Oui, alors on doit dire les équipes qu'on aime bien. Donc, du coup, moi, je supporte Saint-Amand. Et en WNBA, je supporte Los Angeles. Voilà. Ah, okay. J'ai cru que t'allais dire je supporte Lance. Non, bah, ça n'arrête jamais. Je vais laisser Alban se présenter. Voilà. Bah, bonsoir. Qu'est-ce que je dis ? Bah, tu dis d'où tu viens et les équipes que tu supportes. Ah ouais, elle vient du Nord, elle a pas dit, mais. Moi, je viens de la région parisienne. Je supporte bah, Bourges. Hein. Malheureusement. T'as l'air déçue vraiment quand mais tu viens. Il faut regarder la caméra. Ah, pardon. Désolée. Bah, moi, c'est voilà. Pareil. Et c'est tout. Ouais, et bah, en tout, je vais en business. Personne. D'accord. Ah, super. Bah, la raison, il n'y a personne à suivre. À toi, Léa. Est-ce que tu suis Bourges, toi? Alors, j'ai pas envie, on m'a vendu, je vais mettre ce truc-là. Ok. Sachez que c'est les supporters de basket là, on a la Cour Arena qui m'ont forcé à le mettre. Oui, ah, bah oui, bien sûr. Ils t'ont séquestré aussi, non? Oui, exactement. À la buvette, ils m'ont obligé à rester et tout. C'est pas facile à vivre. C'est pour ça, c'est bien connu des supporters de basket là. C'est la moindre. La mafia landaise. Voilà, la mafia landaise. Donc du coup moi c'est Léa, 19 ans, ça s'entend peut-être mon accent mais du coup je viens des Landes. Des Landes. Les Landes. Supportrice évidemment de basket Land. Des Landes. Voilà, et en WNBA j'aime bien New York Liberty. Ah. Vous avez pas d'âme les fans du Liberty Break. Eh oh, tu te calmes. Ça critique fort là je trouve. On est en majorité ici donc on va se Allez, au suivant. Ouais, allez. C'est chacun son français. À toi. Oh bah du coup, bonjour, hein, moi c'est Agathe, je viens de Bretagne, j'ai 24 ans. En France, je porte pas. J'aime un peu toutes les équipes. Quoi, pas filleule, je suis un peu comme Alban, elle a dit bon, je m'en vais. Ouais, c'est elle aime bien voir ailleurs. Et sinon, aux États-Unis, je suis fan de New York et Liberty également. Voilà. Vive ça vous dit. Ouais, on verra cette année. J.E. Ouais. Alors après, c'est la catégorie mec, parce que nous on est dans la séparation homme et femme. C'est vrai, c'est vrai. Tous deux, donc dans deux cas, on est en supériorité numérique. Alors sachez qu'on est maltraités par toutes les personnes. C'est faux. Non, du coup, moi c'est J.E., j'ai 19 ans. Je suis le dernier arrivé dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien toi, oui, c'est vrai. Rassure. Et en basket, en France, je supporte surtout l'ASVEL. Et en WNBA, c'est le Liberty. Ça, c'est des gens, ils ont 19 ans, ils connaissent rien à la WNBA, c'est normal. Alors lui le meilleur pour la fin. Non, je vous avoue que je l'apprécie beaucoup. Il est très sympa. Ça commence mal, il a une super moustache. Donc, je vous présente Lenny, 24 ans bientôt. Et je suis un touriste en fait, parce que du coup, je supporte aucune équipe. C'est la première année où je suis basket féminin. Et ouais, on est bien. C'est beau. Mais du coup, tu connais un peu le basket quand même. Ouais, le basket au global, la NBA beaucoup, mais après le reste. Ouais, après voilà. Tu regardes. On découvre, tu vois. Ouais, tu regardes l'équipe de France, Tony Parker. Tout ça, ouais, Tony Parker. Ouais, bah, plus trop maintenant, mais. Alors, il se met l'équipe de France à Tony Parker. Voilà, bien sûr, oui, il fait le basket au global. C'est quoi ton équipe préférée en NBA? Bah, les Lakers. Les Pelicans. Excuse-moi, tu me dirais que je t'ai insulté. Il y a d'autres équipes. Non, il y a personne. D'accord, les Lakers, ceux qui sont pas en play-off. Et vous moquez pas de la saison. Okay. C'est pas vous moquez de la saison qui vient de se passer, il y a eu des problèmes de blessures. Wow, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile, c'est vrai. On se croirait au BLM. Hein, c'est facile. Ah ouais. C'est facile. Oh, ça t'a dit non, on n'avait pas commencé. Bon, alors en fait, ils sont très mauvaises langues ici, il faut le savoir. J'irai comme les supporters du BLM, hein. Je commence pas à me faire des ennemis. Tu vas te faire taper. Bref, heureusement, Tom, il n'est pas là. Mais voilà, donc c'était une petite présentation globale, et puis au final, qu'est-ce sur quoi on reparle? Et ben là, on part sur le match Basketland Bourges. Allez, ah, quelle présentation! Ah là là! J'ai l'impression que tu présentes la météo, c'est génial, t'as la posture et tout, j'aime trop. Donc voilà, alors vous étiez au final, là, vous étiez oui. À Bercy, je vous ai payé des places super pas chères, donc trop mal placées. Non, en vrai, on était bien placés. On était très bien placés, ouais. On était pas bien placés, c'est pas vrai, mais on voyait ce qu'on voyait. Vous voyez pourquoi je l'ai recruté ou pas? Non, en vrai, on était. On avait de l'air, on va dire. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça très bien. Le toit, en fait, c'est ça? Ça me va très bien. Pareil, on se contente de peu, mais c'est bien.
Voilà. Non, franchement, alors vos impressions sur le match du coup? Alors moi j'y étais pas. Mais tu l'as regardé. C'est le match de l'année déjà. Ouais, franchement c'est le ouais. On dire ça. Ouais, c'était un c'était très intense. Autant je pense pour les joueuses que pour les spectateurs parce que du coup on était tous en transe, on avait mal au crâne. Non mais c'est vrai, c'était très intense. En fait, c'est surtout l'ambiance autour qui fait qu'aussi c'était un très beau match parce que t'avais les supporters irlandais qui faisaient du bruit, t'avais Bourges qui se réveillait aussi un peu de temps en temps. Oui, en galère. Et au moins, il y a eu un gros niveau de jeu, il y a eu les deux, au-delà des deux prolongations, mais genre il y a eu un gros niveau de jeu, il y avait toute l'ambiance autour, il y avait du stress, c'est le match de finale. Et c'était vraiment cool. Oui, des shoots pris au bon moment aussi. Oui, et puis je pense que les gens ils vont aussi voir des matchs de basket pour vivre ce genre de moment. Et c'est comme on dit, c'est beaucoup mieux de voir un match comme ça que des matchs où Bourges ou Basketland se sera imposé de 30 points direct. Il n'y a pas d'enjeu ni de suspense. Donc là, il y en avait du coup, c'était bien. Bah, on l'a su. C'était. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez un peu chaud. La dame là, elle a quitté carrément le groupe. Elle a partie rejoindre la mafia landaise. Voilà, dans les tribunes. Le mec là qui connaît rien au basket féminin, il a été chaud bouillant, ça a célébré tous les shoots, ça a célébré. Moi j'ai plus quoi, mais parce que je suis malade. Ouais, bah oui, bah oui. Ah, c'est pas ta vraie voix. Bon, alors on va passer peut-être au point positif du match avec la MVP. C'est le point positif, c'est non, la MVP. Le point positif, c'est quand même la victoire de basket là. Donc, Mais en général, là, pour vous, c'était l'ambiance. Bah, c'était très intense. En fait, c'est le seul mot que je trouve qui peut vraiment caractériser le match. C'était pas. Non, franchement. C'était pas à droite. Le jeu collectif n'arrivait pas à se développer. En première mi-temps, c'était pas mal. En première mi-temps, ça allait. Ouais, après, il y avait un petit peu de temps. Ça a déjà beaucoup moins scoré, c'était moins collectif. Oui. En fait, il y avait du stress dans les deux équipes. Je pense, Et donc, forcément, ça est. La ça... fatigue. Il fallait être bon. Ouais, la fatigue qui est arrivée, le stress qui est arrivé, la pression qui est arrivée. Et du coup, au final. Il y a des milliers. C'est qu'on a eu un seul. Ah oui. Oh, on a eu un seul. Là, il y a eu un abonnement. C'est la. Baguette, c'est un abonnement. La baguette magique. Non, c'est un abonnement, un follow, pas un abonnement payant. Voilà, ouais. Merci pour l'abonnement. Et donc, Agathe, vas-y, ton analyse sur la rencontre, c'était intéressant aussi. Non, franchement, je pense un peu comme tout le monde. C'était intense en deuxième mi-temps avec l'ambiance et le fait que c'était un match serré de bout en bout quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de runs, sauf à part après, genre le plus 5, sinon il n'y a pas eu des écarts énormes non plus. C'est vrai. Il pas respirer. Il y avait de la tension et la fin de match c'était folle avec des tirs qui sortent de nulle part. Franchement. En fait, c'est juste les fins de match comme ça qui font que l'ambiance aussi dans la salle. Ça convertit un peu les gens. Après, je sais pas si l'ambiance a été vachement perçue du coup à la télé. Moi, au début, à la télé, c'est pour ça que je vous envoie un message. Je dis, il y a de l'ambiance, il y a des gens, on sentait pas trop. Mais par contre, sur c'était la fin, ouf, c'était. Quand t'as envoyé le message, c'était pas ouf encore. C'était juste de temps en temps en fait. Oui. C'était des petits trucs d'ambiance. C'est aussi monté aussi. C'est monté parce qu'il y a eu des changements de leader et tout. Et du coup, les supporters. Quand tu prends le lead, forcément les supporters. Ouais. Ah bah là, ça, à la fin, c'était incroyable. Moi, ouais, j'étais sur le live tout. Mais franchement, l'ambiance était vraiment exceptionnelle. On est resté au match des garçons et l'ambiance était un peu plus plate. Ouais, c'était un peu raplat. Après la tension Ouais. Franchement, ouais. C'est vrai. Ça Et est-ce que Bourges, parce que moi j'étais à l'Eurocup un petit peu beaucoup en fait, j'étais au final à Bourges. Et le jeu que Bourges a produit, si on devait être un peu plus précis sur la rencontre, par exemple, avant de parler des MVP, etc. Le jeu qu'a produit Bourges, il était largement en deçà de ce que j'ai vu durant l'Eurocup. C'est quoi? C'est le fait d'être à l'extérieur, c'est le fait d'être, je sais pas, en plus pourtant, il retrouve Yakoubou. Non, je trouve que c'est juste une très belle stratégie de Julie Barrène, en fait. Ouais. Elle a su capter le jeu de Bourges, ils ont pas su développer leur collectivité, ils ont bloqué tout le monde. Leur collectivité. Leur collectif, pardon. Leur jeu collectif, en fait, il s'est pas du tout développé. La défense de Basketland était vraiment bien. Ouais. On en reparlera sûrement quand on parlera de la MVP, mais la défense était vraiment pas mal. Oui. Et après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et beaucoup plus que
d'habitude, ça s'est beaucoup axé sur le jeu intérieur. On a donné beaucoup de ballons à Rupert, oui. beaucoup de ballons à Godin, énormément de ballons oui, à Yakubu quand elle était. Au final, regarde Rupert, elle a pas été. Je dis pas ça, mais du coup, au lieu d'un jeu collectif avec toutes les extérieures et tout le talent qu'on connaît, ça a beaucoup mis la balle en bas et ça n'a pas forcément marché. Mais au final, tu vois, en Eurocoupe, Rupert, elle a eu un rôle hyper important. D'ailleurs, elle a été élue MVP. Oui, peut-être qu'ils se sont reposés sur elle aussi, ouais. Je sais pas, je pense pas que c'est le style d'Olivier Lafargue de se reposer sur une seule. Non. Après, je pense que voilà, Julie Barret avait aussi fait son jeu pour contrecarrer forcément, notamment les individualités dans Yann Rupert. Impossible. Il faut dire aussi que les deux équipes étaient dégueulasses à 3 points. Ah oui, la maladresse à 3 points, ouais, c'était. C'est les 5 dernières minutes. Ouais, c'est ça. Les dernières minutes, elles étaient là, mais globalement, elles tournent à genre 20% à 3 points. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas incroyable. À ce moment-là, ça sert à rien de tenter de tirer. Moi, j'ai la stat de Anton à 3 sur 4 à 3 points. C'est tout ce que j'ai dit. Ouais, mais ça s'est pas trop vu dans le match, en fait. Mais c'est quand j'ai vu les stats à la fin. C'est sur la fin qu'elle était chaude, en fait. Il y a eu beaucoup de panier sur pick and roll, il y a eu pas tant de contre-attaques que ça. Non. Et ouais. Donc non, il y avait genre 2 avec un M1 de Marine. Parce que aussi ça défendait dur. Ouais. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est juste plus une bonne stratégie effectivement de Basketland en défense que Bourges 4 déjoué. Parce qu'après, sur l'Euro Cup, au départ, l'adresse extérieure de Bourges, elle n'était pas non plus fifou de souvenir. Je pense, pour moi, c'est le match de référence. C'est pas parce que j'ai pas vu le précédent match en LFB. Je sais plus qui a fait le récap. Mais je crois qu'ils ont gagné de peu. Ah, c'était contre Charnay, il me semble. Et c'était Charnay Bourges, ouais. Franchement, honnêtement, Charnay aurait gagné, ça aurait pas été volé. Ouais. Mais parce que la on dit tout le temps ça pour Charnay. c'est vrai que Charnay, on pense aux supporters de Charnay d'ailleurs, s'il y en a. Ouais. Pour le coup, contre Charnay, ils ont gagné dans les deux dernières minutes parce que le repère, elle a mis 1-3 points. Ouais, bah elle est panique qu'il faut en fait. Six points de suite, elle a fait un contre et du coup, le match, il a réussi. Bourges a été pénalisé par les fautes. Alors pour ses intérieurs même. Oui. Mais sur des éléments majeurs, notamment Yakubu, Godin, c'est Yakubu, quand même des. Godin, oui, c'est vrai à l'intérieur, quand t'enlèves ces deux joueuses, derrière c'est compliqué, il te reste pas grand monde. Il y a quand même Yana Rupert, quoi. Oui, Yana Rupert, mais elle, tu vois, fait elle fait pas. Elle peut pas te faire. Tu vois, elle peut pas tout faire. D'accord, ouais. Dans ce sens, ouais. Après, il y a beaucoup de fautes qui arrivent avec la fatigue et tu sens que c'est des fautes aussi un peu bêtes et d'inattention. Genre, typiquement, la faute de Fautoux à la fin sur le N1. Oui, quand elle pousse dans le dos, là. C'est vrai. Oui, après, je pense que alors, on est très loin, donc je sais pas s'il y a faute ou pas. Je sais pas si on l'a mieux vu à la télé. Mais enfin, nous, de loin, on a l'impression qu'elle pousse. Mais moi, je sais qu'on m'a envoyé un message en me disant qu'il y avait pas du tout faute. Enfin, moi, je crois que dans le replay, parce que j'ai pas trop regardé, j'étais en train de tweeter aussi, mais je crois qu'elle la touche pas vraiment. En fait, elle crie à l'arbitre, je l'ai pas touchée. Et c'est vrai que sur le replay, tu vois, elle allait y aller, et en fait, elle est comme ça, mais je pense que l'arbitre est de dos, il voit pas le... C'est... On est trop choqués à chaque fois. C'est pas toi ? De quoi ? C'était pas... Ah non, je croyais que c'était... Ah pardon, je croyais que c'est toi qui t'étais abonné. J'ai rien fait du tout. Oh. Moi, je lis juste les commentaires des gens. Là, il y a une question pour Alban. Ah oui, réponds. Mathieu. Attendez, parce qu'il y a triple step, c'est Mathieu et Aurélie, comme ça je présente. Il y a trop d'infos. Julien. Allô. Bonjour. Oui, bah, salut Julien. Re-Julien. Du coup, bah, on te laisse répondre à la question. Laetitia, elle a fait quoi ? Elle a fait tout. Elle a fait tout, Laetitia. Alors, précise quand même que c'est à partir de la deuxième mi-temps où elle s'est vraiment réveillée. En première, elle n'était pas... On ne la voyait pas de ouf. D'ailleurs, elle joue la fin de match. Elle a été laissée presque toute la fin de match. Elle était partout. Elle a fait défense, contre-attaque. Elle a mené, des fois. Elle a tout fait. Elle a mis ses shoots là où elle jette la balle contre la planche et elle le met, tu sais pas comment. Elle a mis ses layback, c'est quand tu passes sous la planche. Oui, tous ses drives étaient bien conclus. Ouais. Et je crois qu'elle a eu des N1 aussi. Donc franchement, pour moi, c'était la MVP. Si Bourges gagnait, c'était sûr qu'elle l'était. Et c'est un des meilleurs matchs qu'elle ait fait cette saison. C'est ça, vrai. Je pense. C'était hyper complet. C'était plaisant à voir pour elle, ouais. Que son ascension soit pas saluée ce soir. Si, on le salue. On le reconnaît. D'ailleurs, tu veux dire que ça ne soit pas récompensé par un titre ? Exactement. Ouais, ça c'est. Oui, c'est, mais bon, ça arrive. Il y a Regan. C'est un autre dossier. Mais on va ouvrir le gros livre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Guapo, là, sur la fin de match, pour moi, elle a mangé Sarah Michel, que je suis une grande fan de Sarah Michel, surtout ce qu'elle fait comme travail, qui ne se voit nulle part sur aucune stat.
Et elle a mangé Sarah Michel, parce que Laetitia Guapo, elle a fait des interceptions à la Sarah Michel. Et quoi? Notamment à un moment quand Regan elle a la balle, elle croit qu'elle va marquer, et l'autre elle lui prend et elle est partie. Et ah ouais, non, elle lui a chippé, ouais. Et vraiment, elle a marqué, elle était sur tout, elle a mené, elle a comblé tous les petites failles qui se faisaient petit à petit avec le temps du côté de Bourges, et je pense qu'elle se faisait aussi par la fatigue. Oui. Il y avait énormément d'intensité. En fait, je pense qu'on, je sais pas si on le voyait vraiment, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'intensité, ouais. Et notamment défensive. Elles étaient toutes rouges tout le temps. Ah ouais, c'est en deuxième mi-temps. Ouais, il y a eu un petit moment. Voilà, et ça joue sur l'adresse. Ouais, et c'est vrai ça. Qu'elle performe plus dans les fins de match. Après, c'est vrai que moi j'ai eu l'impression, parce que je sais pas si c'est de manière objective parce que j'étais avec la mafia landaise, du coup, non, mais j'ai vraiment objectif, ça commence mal. Non, mais j'ai vraiment trouvé que Guapo, elle a entre guillemets maintenu Bourges en vie, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Tu confirmes ce que j'aime dire, c'est ça. Ça confirme les propos de voilà. Merci, c'est gentil. Heureusement qu'elle était là. Mais leur problème, c'est l'inférieur. Elle et elle de Brink, j'ai trouvé. Mais après, mais Rupert a assumé qu'il est bon panier au bon moment. C'est quand même elle qui envoie Bourges en prolongation à chaque fois, quoi. En fait, Rupert, sa force. Ouais, le 3 points camé là. C'est quand même elle qui envoie Bourges en prolongation à chaque fois. Parce qu'honnêtement, on en parlait mais pendant le match, mais elle met 4 points au premier quart-temps. Après, elle met plus rien jusqu'à son 3 points pour la prolongation. Oui, mais après, elle met plus rien. Et en fait, la première ou la deuxième, la fin de match, c'est la première prolongation. La première prolongation, ouais. La fin de match, en fait, c'est Guapo et Eldebrink qui ont géré. Où Eldebrink, elle a fait des N1, elle a pris des drives, elle a mis un 3 points. Oui. Et elle a géré toute la fin de match avec Guapo. Ouais, franchement, c'était. Et à l'intérieur, c'était compliqué. Pour la défense, notamment. Bah, on est content de. Moi, je prenais tous leurs paniers. Moi, j'étais contente quand même de revoir Yakubu. Mais c'est vrai qu'après, c'était un peu compliqué pour elle ce match-là. Et une joueuse dont on n'a pas parlé et que franchement, j'ai trouvé qu'elle était incroyable, même si elle était déjà revenue la semaine dernière, Vuko Savlevic. Oui, vraiment. Elle a fait un match. Elle a fait un match de fou. Bien sûr. Il est hyper correct. Ouais, il y a des interceptions. Et en plus, j'ai vu qu'elle avait joué à peine 12 minutes, mais pourtant, j'ai l'impression qu'elle était archi présente. Ouais. C'est sérieux, comme toi, j'ai l'impression qu'elle a été archi présente pendant le match et tout. Elle a eu des bons temps forts. Et défensivement, je trouve qu'elle a répondu présente. Ouais, franchement. Très intense dans ce qu'elle a pu faire. Je trouve qu'elle a été hyper mobile sur les ailes. Ouais, carrément. Et finalement, franchement, je pense que c'était une rotation qui a fait du bien à Basketland, tu vois, au final. Mais de toute façon, en général, les joueuses de Basketland ont plus brillé de ce que j'ai vu par la défense que par l'attaque. Oui, c'est vrai que sur la défense extérieure, c'était bien. Sur la défense intérieure, c'était incroyable. Bah, Tolo, elle était présente, quoi. Iliana, elle a pas pu jouer. Yakubu, elle a pas fait tant que ça, alors qu'elle a eu plein de ballons, mais parce que la défense était bien. Ouais, Tolo la prenait bien, ouais. Après, je pense que l'avantage, c'est qu'elles se sont jouées déjà pas mal de matchs cette saison. Ah oui, elles se connaissent par cœur. Les avantages et les désavantages et les qualités et les défauts de chacune. Donc, je pense qu'on va aussi travailler sur ça. Il y avait beaucoup de revanches. Il y a beaucoup de revanches à reprendre entre le. Oui, et avant se recroiser potentiellement, peut-être. Et bon, j'ai pas trop profité des 5 fautes. Comme Basketland était à 5 fautes assez tôt. D'équipe. Ouais, j'ai pas trop profité de ça. Mathieu, il est où? Il fait quoi? Bah, il est en popo. Il est en décalage horaire? Mariez-vous avec Regan. D'accord. Alors, il y a Julien qui dit il est probable qu'il y ait une statue à côté de celle de Sarah au Prado. Mais c'est quand on parlait de Guapo. Ouais, ah, ok. C'est ah, bah c'est facile. C'est peut-être un petit peu tôt pour dire ça. Sarah Michel, ça reste Sarah Michel. C'est vrai. C'est pas parce qu'elle fait un match de fou que ça y est, quoi. Non, vous êtes bien. Oui, mais c'est quand même un élément majeur de Bourges. Bah, moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais pas ça, franchement. Ah, ouais. Tous les matchs qu'elle fait, elle est là. Hein. Je dirais pas que c'est. C'est son meilleur match. Je dirais pas que c'est un élément majeur pour avoir. Moi, je suis d'accord avec Julie. Elle rentre jamais dans le 5. C'est une très bonne rotation et on peut pas lui enlever. Mais c'est pas the joueuse à Bourges. Non, mais j'ai fait beaucoup de matchs de Bourges. Mais t'es pas objective. Non, et quand elle rentre, à chaque fois elle rentre et quand elle rentre. C'est un plus. Ouais, ah, moi, c'est, je trouve que c'est une très bonne rotation. Et même si elle est joueuse, elle défend, elle apporte une énergie. Ouais, à ce moment-là, tu la mets au même niveau que Crystal Mann, par exemple. Moi, je trouve. Crystal Mann, elle apporte beaucoup plus déjà, elle est beaucoup plus constante, Crystal Mann. Mais si tu les mets, toutes les deux à leur top niveau, on va dire, parce que là, Crystal Mann n'était pas son top niveau. Pour moi, elles ont le même rôle. Elles ont le même apport, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, je trouve Guapo au-dessus défensivement. Je trouve que c'est un vrai. En défense, elle apporte plus en défense. Ah ouais. Elle apporte plus en défense, mais Mann est plus constante en attaque. Ouais. Donc ça s'équilibre un peu, je trouve. Moi, je pense que la frappe, il l'utilise vraiment comme un plus pour faire une rotation avec Michel et pour être pour faire tourner sur la. De toute façon, toutes les extérieures de Bourges, elles défendent super bien. De toute façon.
pour moi. Personne ne défend aussi bien que Sarah Michel. Oui, d'accord. Ouais. Mais que ça soit je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Que ça soit Guapo, Elbrick ou Astier, surtout en défense, c'est chiant. Oui, mais il peut pas défendre très bien. Il est très bien. Ouais, c'est vrai, ça peut. Genre Astier en défense, moi j'ai bien aimé ça. Elle a pas brillé. Mais... Je l'aime bien, moi. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime, moi, bien j'aime beaucoup apporte. Ce qu'elle fait aussi. Et pourtant, elle est très, très jeune. Elle a... Bon, elle a 20 ans, quoi. Bah, elle est très, très jeune. Oui. Je dis ça comme si elle avait 41 ans. Non, mais quand je la compare, quand je la compare à Laura Evrard, qui est très, très jeune, elle, pour le coup. Ah bah, même Clémence, team Basketland, elle a dit on ne touche pas à Sarah Michel. Ah voilà. Sarah Michel. Bah ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord, ouais, ouais, on est tous d'accord. C'est dans le top joueuse sous-cotée de la France. Bah c'est la joueuse la plus sous-cotée française alors qu'elle est exceptionnelle. C'est vrai. Mais moi j'ai l'impression que depuis quelques mois, il y a une petite révélation de... Ouais, mais c'est dommage que ça soit si tard, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas la... Si tard, elle a le temps, quand même. Elle a quand même une trentaine d'années, je crois. Ouais. Ok, genre elle est plus jeune. Non. Eh ben ouais, t'as vu, pourtant, des fois... Elle a fait de la honte, hein. Non, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que oui, c'est une des joueuses les plus sous-cotées. Et c'est vrai qu'en ce moment, je vois, il y a pas mal d'interviews et j'ai l'impression que voilà, on la valorise de plus en plus. Parce qu'elle va prendre beaucoup plus d'importance, notamment en équipe de France. Elle en avait déjà, tu vois. Ouais, mais là, encore plus, parce qu'il y a une génération qui... Elle était plutôt sixième joueuse en équipe de France, pour moi. Même pas. Sarah Michel. Non. Même pas. Ah ouais, pas sixième. Moi, je la voyais plus... Bah, ouais. En fait, elle était utilisée comme ça par Garnier, en tout cas, à l'époque. Oui, c'est vrai, à l'époque. Vous voulez pas parler de Reagan, maintenant? Bon, allons-y. Bah, on peut parler pendant 90 ans. Alors, on peut parler aussi de Turcinović, qui a été discrète, mais très efficace. Ah ouais, oui. C'est vrai, ça. Très, très vrai. Turcinović et Harmon, moi, j'ai trouvé. Bah, Harmon un peu moins, je trouve. Harmon. Harmon. C'est Jillian, c'est plus ça. Parce que Hermione, c'était très Hermione Harry Potter. Hermione Granger. D'accord, on a des bonnes rêves. Bah, donc, ok. Ah, merci, c'est gentil. Clémence, elle a dit ils t'ont entendu, Lily. Ça y est, Sarah est sur le devant de la scène. J'avoue, j'ai fait une grosse propagande. Ça fait, je sais pas, au moins un an. Depuis que je fais des live Twitch, ma meilleure propagande pour Sarah Michel, parce que voilà, c'est, personne n'en parle. Elle ouais, vaut, elle vaut bien. Et voilà, moi je suis sur le hashtag Sarah Michel la légende et on attend toujours la statue. Et voilà, c'est une des joueuses les plus, je sais pas, les plus kiffantes à regarder, je pense. Quand on aime le basket, je sais pas, quand on est fan de basket en fait, c'est masculin dur, à la base, efficace. Je sais pas comment vous dire, mais quand on connaît vraiment le basket. Voilà, en fait, il faut s'y connaître pour apprécier son jeu parce que c'est pas shiny, c'est pas Johannes. C'est pas étincelant, ouais. En fait, c'est un rôle de l'ombre, c'est le rôle un peu pénible, c'est le rôle que t'aimes pas avoir. Mais c'est important d'en avoir une comme ça dans l'équipe et bah, ça va, heureusement qu'elle est là pour vous. Je sais. Il faut une plus grosse propagande pour Mondeville et son agrément. Ah oui, bah ça c'est un autre problème. C'est un autre débat. on devait faire tous les problèmes de la LFB du basket français ce soir. On aurait passé une émission, je pense. Ouais. Ah, c'est clair. D'ailleurs, sauf qu'on doit rendre le Airbnb demain, donc... Ça va être compliqué. Bon, bref, on enchaîne, sinon on va être là pendant 4 heures. On va parler de Reagan. Oui, on va parler de Reagan. Ouais. Lenny, tu veux parler de Reagan? On t'écoute. J'en ai perdu. C'est exceptionnel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais comme à tous les matchs, en fait, c'est pas tôt de dire ça, mais genre. C'est vrai qu'elle est très constante. Basketland, ça fonctionne, et elle était pas là, c'est Bourge qui reprenait le. Je sais pas s'il y a eu tant de changements de lutte que ça, je me rends pas compte. C'était très serré en fait. Non, c'était très serré. Oui, Basketland a beaucoup mené, mais Bourge. Les prolongations. Mais il y avait plein de changements de leader. Il y avait genre 6 points à chaque fois, mais c'était pas des différences. Ouais, c'est ça, mais tu vois, bah, les 6 points qu'ils avaient d'avance, à chaque fois qu'elle était plus sur le terrain, je sais pas, ça marchait pas côté Basketland et bah, Bourge revenait, tu vois. Parce que défensivement, elle était énorme sur Yana Rupert et offensivement, bah, c'est elle qui. Elle prend tous les ballons, elle est tout le temps bien placée, elle demande la balle tout le temps. Elle donne de son corps. Vous voyez, il connaît rien parce qu'elle est féminin, mais il fait des bonnes analyses. Non, c'est aussi comme ça qu'on. C'est bateau de dire ça. Elle a fait un match de ouf. C'est parce qu'elle est comme depuis genre, le début de la saison. Ça, c'est elle vrai. Bah, comme depuis qu'elle est en LFB, en fait, elle a toujours été très constante, je trouve. Oui, mais regarde, elle a performé à Tarbes. C'était pas sûr qu'elle allait performer à Basketland. Elle performait déjà à Villeneuve-d'Ascq. Oui, mais après, donc, en fait, elle est très constante, mais tout en progressant aussi. Donc. C'est bon, vraiment en fait, une top joueuse LFB en fait. Elle est constante ou elle progresse? Non mais je veux dire qu'elle est... Non mais elle est elle toujours progressée, mais elle est constante dans sa progression. Oui voilà c'est ça. Elle est constante. Enfin, à chaque match elle fait 6 stats. Merci Baudelaire. C'est très gentil. Baudelaire. Je veux dire elle est toujours présente quoi. Ouais sur ce match on a vraiment ressenti que Basketland vivait et mourait par elle parce que
Bah, comme elle est. Baudelaire aussi. Quand elle était là, elle faisait tout en attaque. Enfin, quand on lui passait la balle, oui, ça se passait très bien. Ouais. Quand on lui passait moins la balle, bah là, bon, je commence à revenir. C'est vrai, en défense, elle a fait un taf de fou. Si Rupert fait pas un si bon match que ça, c'est parce que Regan. Toujours bien placé. Même en match horrible, Rupert. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de bah déchets. Elle a été mise en difficulté. Moi, je pense que oui, il y a ça. Elle a vécu un coup. Peut-être qu'il s'y attendait pas, et c'est là que le coaching est. Non, bah, je pense que le fait aussi qu'elle se soit retrouvée toute seule à un moment donné où il n'y avait plus Yakubu et Gaudin, je pense que ça a été. Tu vois, c'est peut-être perturbant aussi dans la manière de jouer. Agathe, toi qui es objective. Moi, j'aime bien les avis d'Agathe aussi. Non, franchement, elle a fait un taf de fou. Si, oui, comme ils disent, si Rupert a fait ce match-là, c'est une grande partie grâce à elle, parce que les paniers. Elle n'a pas eu beaucoup de paniers au poste. Ce qu'elle a eu, elle a fait un shoot parce qu'elle n'avait pas le choix, ou c'est parce que. C'était pas ça, ouais. Franchement, elle était toujours défendue sur tous ses shoots. À la limite, elle a raté genre un layup qui était ouvert, mais sinon, à chaque fois, t'avais une main, voire deux mains sur elle. Ouais. Et. Franchement, elle pouvait rien faire. Et Regan. Elle défend sur plus de la moitié, trois quarts de ses shoots, donc ouais. Plus femme. Même le 3 points qu'elle met pour. Il est des. Ah, oui, il y a quelqu'un. Oui, mais elle est là. Elle se fait faire tête. Elle saute, au moins elle est là. Tu vois. Après, elle avait un boulevard, Ilana Rupert, c'était obligé qu'elle le mette. Oui, mais au moins elle est là. Oui, elle est là sur l'action. Elle est à 2 sur 13 quand elle le prend. Franchement, ouais. Ouais, il faut le. Ouais, faut elle le a pas mis un panier. Parce que le fait qu'elle soit là, déjà, ça l'empêche de prendre son tir en rythme, de faire catch and shoot, ce qui est plus simple. Et là, elle doit feinter, redescendre la balle, remonter. Ouais. Et c'est un peu complexe. Ah, bah, il faut des poils de nez bien frais pour. Des poils de nez bien frais. Ouais, c'est une super expression, je trouve. D'accord. T'aimes pas? Je connais pas. Ouais, je viens de l'inventer. D'accord. Nickel. Mais je trouve que ça traduit bien. Tu sais, des poils de nez frais, c'est que ça bouge pas assez. On n'ira pas plus loin dans l'explication, je pense. Bah, elle était très bien cette expression. Donc il y a Clem qui dit si Regan n'est pas MVP de la LFB, j'arrête de suivre ce championnat. Je suis d'accord avec toi. Bah, je sais pas. Hein. Ouais, non. Il y a peut-être d'autres joueuses à mettre en avant. Il y a d'autres joueuses. Il y a d'autres joueuses. En termes de régularité. Elle n'est pas saison, toute seule pour moi. Tu peux pas remettre un match sur. À la limite, Rupert. À tous ses matchs, elle fait un truc. Rupert, c'est une cliente aussi. Hein. Ouais. Moi, je pense que ça va jouer entre Rupert et Margariti, objectivement. Ouais. Mais je pense que ça va jouer entre les deux. Mais pour moi, Margariti n'est pas favorite. Dans le sens où les gens vont voir la saison de Bourges. Ils vont dire Bourges a surdominé. Et donc, ils vont élire la meilleure joueuse du meilleur. Oui, bien sûr. Bah, ce qui est pas. Oui, mais les votes, c'est pas délirant, mais c'est maintenant. Hein. Après, Bourges, le truc, c'est que Bourges, ils ont un collectif tellement conséquent. En fait, il y a tellement de choses qui gravitent autour, qui sont excellentes. Mm. Tu vois, aussi, ça aide aussi à Rupert à performer et à la mettre en avant aussi. Bon, je sais pas, Basketland, c'est pareil aussi, mais c'est ce qui explique aussi que Bourges, il soit aussi en première place et qu'il fasse une grosse saison. Dans tous les cas, que ça soit l'une ou l'autre, ça sera mérité. Oui, dans tous les cas, ça sera amplement mérité. Ah bah ça, les deux font une saison MVP. Et les dons aussi, d'ailleurs. Toujours là. Alors, on en est où, madame? Ben, on était à la... cette partie-là, donc on peut passer à cette partie-là si ça vous va. Eh, ça va hein. Ouais, ça va. Je trouve qu'on est... Nickel, on est bien. On est civilisé. Je me pensais plus sauvage. Sauvage. Donc là, sur la MVP des finales, on est bien d'accord que sur la Coupe de France, là... Ah, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, y a on pas peut faire un vote à main levée, mais je pense qu'on est... Mention spéciale à Guapo, quand même. Ouais. Oui, mention spéciale à Guapo. Petit astérix pour Guapo. Pour faire plaisir à Aldan, allez. Ouais, mais elle a perdu. Ouais. Mais oui, bien sûr, elle a perdu, mais genre... Ouais. C'est la... De toute façon, c'est même pas le même profil. Non, c'est pas le même profil. À partir du moment où c'est pas le même profil, c'est compliqué de comparer. Elles n'ont pas le même taf et... C'est pas faux. Ah bah, comparer les deux jeux, c'est... Mais après, quand tu vois l'apport de Regan sur la victoire, t'es obligé de dire qu'elle est MVP. Elle est en double-double. Elle est en 24 points, 11 rebonds. Ah oui, quand même. D'accord. 80% de tir. Plus de 30 déval, oui, t'es on obligé de reparler tout. On n'a pas du tout parlé de Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Marine Foto. Et même Chéri, je suis désolée, mais Kendra Chéri... Oui, elle fait 3 bonnes actions. Un money time et un overtime. Oui, elle a été clutch. Mais sur un certain moment, ouais, elle a été très clutch.
match. Elle a été clutch. Ah, elle fait l'un des meilleurs matchs de la saison ou l'une des meilleures fins de match. Oui, parce que la vraie fin. Parce que avant la fin de match et avant les overtime. Moi je comprenais même pas qu'elle jouait. Quand j'ai vu qu'elle avait joué autant, j'étais choquée. Elle apporte beaucoup d'énergie, surtout défensivement. Moi je trouve, elle est très présente et c'est vrai que voilà, elle a une capacité à prendre des tirs. Elle en a raté beaucoup avant de mettre ceux en overtime. Elle est à 0 sur 4 à 3 points. Voilà. Elle met 3 points, c'est 2 points. Oui, mais elle a joué longtemps. Je pense que Julie Barrel lui fait beaucoup confiance aussi. Elle est jeune, et là on a vu qu'elle après elle a fait trois bonnes actions successives donc ouais, et les prolongations elle a quasiment tout joué hein. Ah oui bah ouais, ça doit être ça, c'est 30 minutes je pense. Elle est à 1 sur 5 à 3 points ouais, c'est donc ça, c'est son 3 points c'est celui qui sauve Basketland ouais. Ouais. Et elle finit à 9 points. Non mais explosion parce que je veux dire que vraiment quand elle l'a mis c'était incroyable. Ça fait trembler tout. Mon premier réflexe quand je vois le 3 points c'est de tourner la tête. Mais c'est pas fini sans tenue, c'est pas drôle. Du coup, on n'a pas parlé de Fotoux. Combien d'éval Fotoux? Alors Fotoux elle est à 14 points et 15 d'éval. Elle fait un bon match, elle fait des bonnes passes. Elle a 5 passes décisives, 7 rebonds, 2 interceptions. Le 3 points à 2 mètres derrière la ligne. Je trouve qu'elle a encore trop de déchets, mais elle est jeune. Ça va être le match. J'aime beaucoup sa gestion de fin de match. Et elle tente les choses, elle dynamite le jeu. Ses choix, honnêtement, ont été bons dans la... Dans le choix de ses tirs. Alors qu'elle est quand même très jeune et elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle est très mature. Et à la même de celle qui a mené à Basketland, j'ai trouvé que c'était la meilleure. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Et le petit duo du Money Time, en fait, c'était la jeunesse, hein, puisque Fotoux, Chéri, c'était la jeunesse, là. C'est quoi la jeunesse, la fou. Les 2001, là. C'est les petits 2001, là, et ils ont maîtrisé le... le moment le plus chaud avec Regan. Comme quoi, après, parfois, la jeunesse peut l'emporter sur l'expérience de Bourges, par exemple. Mais c'est ça qui est impressionnant. Tu te dis, je crois que ça doit être leur première finale, je sais pas. L'année dernière, Basketland était en finale. Mais elle garde vachement le... Chérie, elle était là. Elle garde vachement leur calme. Alors qu'elle n'a pas non plus une expérience de 15 ans. Et c'est ça. Après, attention aux lancers francs dans le Money Time, c'est là où on voit la jeunesse. Ouais. Les lancers francs dans le Money Time, il y en a, moi je pense à Basketland qui fait un 0-2, les deux courts là qui viennent. C'était Tolo, je crois. Pourtant, c'était Tolo. Et Armand a beaucoup d'expérience. C'est Armand qui a raté. Tolo, elle est à 6 sur 9 au lancer franc. Ouais, mais dans les Money Time, elle en a raté. Et Tursinovic aussi, elle en a raté, elle est à 0 sur 2. Ah oui, elle en a raté Tursinovic. Ça, je me rappelle. Et Harmon aussi, 0 sur 2, donc voilà. Ouais, c'est vrai que ça. Et du coup, parce que là, elle l'a un peu payé, parce qu'au final, elles auraient pu vraiment prendre de l'avance. Ouais, et au final, Bourges, elles sont restées dans le match à ce moment-là. Ils ont fait un peu la même chose, on va s'y prendre derrière. C'est les deux équipes, ouais. Michel, elles ont loupé. Tout à fait. Finalement, ça a été équilibré par le fait que derrière, Bourges. Après, t'as le débris qui a mis le sang, mais c'était trop tard. Malheureusement, oui. Enfin bon, après, franchement, j'étais pas chaude d'une troisième prolongation. J'en avais marre. Personne voulait gagner là. C'était. J'ai vu qu'il remontait Bourges. J'étais là. Oh non, mais je. J'en pouvais plus. Moi, j'étais chaude de fou. Je pouvais rester toute la journée. Franchement, on pouvait faire un match retour dans la foulée. Ça m'allait super. Je sais pas si elles ont retenu. Sarah Michel, MVP, la seule qui jouait encore sur ses papiers. Bah, avec Guapo, je pense. Ils font un contrat en fait. Avec Fotoux, c'est chéri, je pense. Les petits jeunes ça passe. Et vous avez pensé quoi du match de Dumerc? Je m'en rappelle pas. Non, mais franchement, elle a pas joué beaucoup. Elle a mis un beau 3 points. Elle a joué 16 minutes. Ah ouais, pourtant j'ai l'impression que Valériane a joué beaucoup plus longtemps que Céline Dumerc. Marelle n'a pas fait rentrer pour les prolongations. Ouais. Mais oui. Elle a joué qu'avec Marie-Ève Pagé. C'est-à-dire ça m'a un peu interrogé. Après, je pense que c'est un choix. Après qu'elle fout tout ça. Oui, parce que Pagé, elle est... Oui, parce qu'il faut le faire, ça. T'as Dumerc sur ton banc et tu laisses Fotoux. Après, est-ce qu'elle s'est dit peut-être que Dumerc n'allait pas répondre présent en termes d'intensité? Peut-être. Je sais pas. Moi, c'est ça que je préfère chez Fotoux, c'est que Dumerc, elle ralentit grave le jeu.
là où Fautoux dynamite un peu le truc, et peut-être c'est ce que bah, elle voulait en tant que coach. Ouais, peut-être. Faudra lui demander. Ça aurait pu ne pas être payant. Elle aurait pu trop dynamiter et se faire bah, ça a été payant, donc bah, bien joué à elle. Bah, c'était un choix osé. Fautoux, elle a eu l'expérience pour gérer. Ce que Dumerc aurait donné aussi, tu vois. Peut-être pas assez de fougue pour Dumerc. Voilà. Et ouais, l'énergie pour créer la différence en un contre vraiment, un. Vraiment, Marine Fautoux, c'est la fougue en fait. C'est le coaching de Varenne, si tu regardes bien les rotations et tout, il est très intelligent, très intelligent et gagnant. Ouais. Est-ce qu'elle fait des changements en overtime? J'ai un doute. Je t'avoue que. Oui, il n'y a que Pagé qui sort. Il n'y a que Pagé. Alors que Bourg, ça a beaucoup. Il y avait un moment, je ne sais pas si c'était pas avant les prolongations, où genre elle a fait changer Chéri et Tursinovic. Oui, parce que je crois que Chéri sort. Genre deux secondes. Oui, mais c'est juste pour la fin, pour empêcher un tir. Attendez, par contre, est-ce que Jané Diawara a joué à Bourges? Non. Il y a trois joueuses qu'on peut jouer à Bourges. Il y a trois joueuses qu'on peut jouer. Bah oui, elle était en deux. Diawara, Zodia. Ouais, mais c'est des jeunes centres de formation. Mabunga, c'est les jeunes. Ah, c'était parce que aussi. Dans l'overtime, Lafargue a beaucoup plus fait tourner, dans le sens il a fait rentrer Yakubu dans. Mm-hmm. Oui, mais ça s'explique aussi par le manque de rotation. Enfin, ouais. Bourges, elles ont joué à quoi? À 6-7. Parce que j'avoue, Yakubu, elle a joué que 13 minutes en fait. Peut-être qu'ils savaient pas quoi faire pour les Français aussi. Elle a joué que 13 minutes. Ouais, mais elle a été gênée par les fautes. Elle avait trois fautes au bout de deux cartons, je crois. Donc le troisième carton, elle a Yakubu, Isabelle. Oui, ils avaient. Godin et Yakubu avaient. Mais ouais, Yakubu, elle a joué que 13 minutes. Elle est rentrée à 3 minutes avant la. Bah ça c'est pas, j'ai eu l'impression. Ouais, moi aussi j'avais l'impression qu'elle avait 25 minutes. Ah oui, pas pareil que toi, en fait on voit qu'ils mais c'est marrant la perception. Quand elle est sur le terrain, on la voit bien en fait. C'est ça. Parce que forcément, bah elle monopolise beaucoup. Ouais, mais on l'a pas trop vu finalement. Par rapport à d'autres matchs, on voit qu'elle. Oui, non, elle a été moins impactante, mais j'avais l'impression d'avoir fait. Elle a eu moins de réussite, mais elle a eu beaucoup de ballons quand même. Oui, ils ont bien compris comment la coincer sans faire trop de fautes. Puis elle fait deux fautes offensives, non? Il y en a au moins une, qu'elle en fait deux. C'est vrai. C'est la mafia landaise qui a acheté l'arbitre. Exactement. C'est ça. On ne donnera pas le montant, mais... L'arbitrage, je pense que c'est pas mal. L'arbitrage était bien. Ça commence à fitter l'arbitrage. Non, franchement, c'était bien. Il n'y avait pas de gros vol. Non, il n'y avait pas de... Enfin, des fois, il y a eu des trucs un peu tendancieux, mais des deux côtés. Ouais, voilà. Après, je pense que ça, c'est toujours les fautes. Bon, il y a toujours des trucs que tu peux remettre en question. Et puis, avec la pression des coachs et tout, parfois, t'es après, peut-être... Ça dépend en tes situations. Oui, et puis après, on critique souvent les arbitres, mais ils n'ont pas forcément un rôle facile non plus. Tu vois, des fois, tu vois, quand tu dois arbitrer, notamment Yakubu, c'est difficile des fois de dire si... Comment dire, si... Elle prend sa position ou si elle... Tu vois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais franchement, c'était vraiment un très très bon match. I speak English very well. Non, c'est le commentaire de Clem qui fait. Et oui, pourquoi? Ah, je vois pas. Tu parles aussi bien anglais, on voit pas. Non. Julie Barré. Pour un Maurice. On pense à toi, désolé. D'ailleurs, tu m'as pas répondu à Maurice, donc j'espère que tu n'es pas en PLS dans un coin. C'est vrai qu'en rentrant, la première chose que j'ai dit, c'est qui envoie un message à Maurice. Qui annonce? Alors, Maurice, c'est un des membres de l'équipe qui est très très fan de. Le petit Benjamin. C'est le Benji de la famille. Et il est très très femme, très très femme. De basket. Beaucoup de lapsus ce soir sur Basket Card. Elle nous a payé aussi. On est con. Et comme on n'a pas de nouvelles, on est peut-être un peu. Non, il m'a envoyé un message pour dire qu'il détestait Basketland. Tout va bien. C'est qui va bien du coup. C'est bien d'être l'honneur et sauf, j'espère que tu vas pas trop à Maurice. Alors, exactement, il m'a dit. Basketland, je les déteste, mais elles ont bien joué. Elles étaient au complet alors que Bourges était diminuée. Oh, mais pas grave. Ça commence à chercher des excuses. Attention. Diminuée par qui? Bah, y'a les fautes, il manque Duché déjà de base. Ouais, c'est un d'accord. Mais Miem, elle manque depuis les matchs d'avant. Ça fait 3 mois qu'elle attend. Et Duché. Après, Yakubu, elle avait pas joué depuis longtemps. Aussi. Ça reste quand même une joueuse. D'ailleurs, c'était un mystère, elle est réapparue, on s'est dit. Ouais, non, c'est pas vraiment. Oui, mais c'est un point positif. Moi, je suis contente de la revoir. On était un peu inquiet de son absence et voilà. Je suis d'accord. Non, mais c'était bien qu'elle soit là. On était rassurés. Oui, c'est ça. Bah, au moins, c'était plus égalité parce que sinon. C'est pas un fan de Bourges, sinon, on aurait dit que t'as gagné au rabais. Ça aurait été dommage de dire. Le pauvre, il va voir que ça reste live. On a fait de mal. C'est clair, il va dire mais regardez pour qui je me fais passer. Comment? Ouais. Je te dis que Bourges avait perdu, c'est juste un fait au final. C'est factuel. Quelle vocabulaire. Mais absence ou pas, c'était égalitaire comme. Bon, allez, on enchaîne, sinon on y est encore pour 10 heures. J'avoue, on a fait une heure, on a fait que la Coupe de France.
temps, c'est pas grave. On a tout ça en même temps. On est en... En même temps, le match a duré 3 heures, donc... Ouais. Il y a trop de fait court, finalement. Il faire un récap. C'est vrai que... Ouais, non, j'ai pas fait de récap. J'ai fait un truc très condensé. Et bon, après, j'ai dit qu'on ferait... Regardez le match. Vraiment, en fait, là, c'est bon, on a fait fallait juste mettre le lien de la vidéo. Ah mais, c'est... ah, mais j'ai fait un tweet et je te jure, j'ai dit... Et il est diffusé. C'est bon. J'avais plus d'inspiration. J'étais là, je voulais jeter le téléphone. Il y avait un éclair. C'était pas possible. Ouais, je me suis mangé un éclair. J'avais... Bref. Bon, du coup... Du coup... Tu me fais peur quand tu te retournes comme ça. Voilà. Représentant de la machine avec quelque chose, là. Je sais plus ce que je veux dire. Dis-moi tout. Eh bien, on va passer sur la saison LFB, je pense. La saison LFB. Tu sais, la LFB, c'est le championnat. Ouais, oui. Qu'il faut remporter. Laisse-moi profiter de ma journée, championne de la Coupe de France, en Euroleague, normalement, la saison prochaine. N'oublions pas. Parlons-en, quand même, parce que non, le basket-là, tu vois l'Euroleague, la saison prochaine. Vainqueur de la Coupe de France, oui. Vainqueur de la Coupe de France, mis à part si elle décide de ne pas la jouer. Mais je pense qu'elle va la jouer. C'est pas le BLMA. Jamais 203, quand même. Le BLMA, ils étaient partis. Ah non, ils étaient pas partis. Le BLMA a refusé l'Euroleague pour des raisons financières. Charleville l'avait fait aussi une année, je me rappelle. Oui, mais Charleville, c'est la même. Je vous arrête tout de suite. Il y a de l'argent chez les Landais, t'inquiète. C'est grâce à la buvette, ça, c'est grâce à la buvette. Ah oui, parce que demain, il y a rendez-vous 14h 14h. 14h, ouais. Enfin, 15h30, on peut arriver, mais la buvette ouvre à 14h, du coup, donc... Ah oui, donc en fait, c'est la buvette qui l'ouvre à 14h. Non, l'information importante, c'est à 14h, la buvette, elle ouvre. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Il y aura le trophée, du coup, à mi-terrain. Mais pas à 14h, il arrive après. Bon, le trophée, il est pas beau, on vous le dit. Si, il est très très beau. Mais... Non, il est joli. Il a été touché par Regan Margariti, voilà. Donc c'est un objet sacré. Ça, c'est clair. Ah, j'ai une question. Oui. Moi, j'ai envie de te questionner sur un truc. Je dis que j'allais te chercher aujourd'hui. Toi qui n'as pas regardé beaucoup de basket féminin dans ta vie, mis à part cette saison, ouais. Est-ce que ce match, c'est un match qui pourrait te convaincre sur le basket féminin? Et moi, j'ai pas besoin d'être... Convaincu. Je sais que t'as pas besoin d'être convaincu. Parce que... Mais pour tous les haters du basket féminin. Bah ouais, c'est vrai. Bah la deuxième. Comment ça, il y a des haters du basket féminin? Non, mais c'est pas. En fait, c'est que t'as des haters du sport féminin au global. Ouais, parce qu'ils sont en mode, bah, c'est plus impressionnant chez les hommes. C'est pas la même chose en fait. C'est juste, bah ouais, c'est. Je sais pas, il y a plus d'intensité et encore c'est différent. C'est plus athlétique. Bah, c'est normal entre guillemets. Et. Bah non, mais c'est pour ça que c'est un match, je disais à Reagan de dunker. Mais tu vois, c'est des faits en fait. Et c'est un basket différent. Tu peux comprendre que t'es des gens qui c'est un jeu de vraiment différent, oui. Et qui se disent, bah vas-y, moi je vais regarder entre guillemets le top du top, même s'il faut pas classer. Et alors là, tu vas m'énerver. Si t'aimes le basket, t'es obligé de regarder ça, tu vois. Bah, le top du top, mais il vaut mieux pas regarder ça simplement si tu veux t'intéresser au basket. Bah déjà, il faut mal. Mais tu vas sortir du cadre. Laissez-le finir, je suis maître de lieu. C'est maître du temps. C'est des matchs, que ce soit des gars ou des filles, un match en double prolongation, c'est des matchs qui sont, même quand tu connais pas le basket, tu kiffes parce qu'il y a des énormes tirs, il y a des actions de ouf, il y a du end-one, enfin tu vois. Même si tu comprends pas tout, tu ressens le stress et tout, et donc forcément c'est stress. Donc bien sûr que c'est un match à montrer à tout le monde, genre, il est trop bien ce match. Et le fait qu'il soit sur l'équipe aussi, c'est une très bonne chose. Après, faut tenir la première mi-temps quand même. Pour le coup, ça c'est hyper bien. J'espère qu'il y ait pas mal de gens qui sont curieux de regarder le match. Bah j'espère parce que vu l'horaire, je me suis un peu... Bah, c'est que... Et franchement, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de personnes pour Basketland Bourges que pour le match d'après. Alors je sais pas si c'est... Mais c'est la photo hollandaise. Dans la salle? Non, mais même dans la salle. Pendant toute la première mi-temps, ils étaient en train de boire. Non, mais même dans la salle. Mais non, mais même sans parler des Landais, mais même dans la salle en général. Dans la salle, c'est un peu vide. Ouais. Non, je pense que c'était kiff-kiff parce qu'en fait, t'as les gens de Bourges qui sont partis, t'as les Strasbourgeois qui sont arrivés. Et en fait, juste, on a cette impression parce qu'en gros, les Strasbourgeois sont arrivés pendant au début de la première prolongation. Genre. Ah, peut-être. Et du coup, c'était plein. C'était plein pendant les deux prolongations. Et après, c'est parti. Les gens de Bourges sont partis, du coup, t'as l'impression que c'est fini. Mais les Landais, je pense qu'ils sont restés. Ils ont dû tous rester. Ouais. Même s'ils sont arrivés au milieu du match. Comme si de rien n'était. On se demande ce qu'ils faisaient. Hein. Ah, parce que là, on ça levait bien le coude, en tout cas. C'est pour ça que ça jouait pas de ouf au début, c'était ils attendaient. Il fallait que ça monte. C'est pour ça qu'il faisait 48 degrés. Ouais, c'est bon ça, ouais. C'était le taux d'alcoolémie, en fait. Ils ont vidé la buvette, tu crois? Ils avaient plus de fût. C'était bref de Coupe de France dans le Nord, on n'aurait jamais eu ce problème. Ah, tu fais bien la promo de ton patelin. On viendra avec ça. Ton équipe elle aille en Coupe de France en finale. Bientôt, mais c'est prévu. L'année prochaine, t'as des scoops qu'on n'a pas.
Je peux pas révéler. Ok, c'est bon. Bon, alors sur la LFB, repartons là-dessus. Oui. Alors, sur, une impression générale sur la saison. C'est très stressé, c'est pas tout le temps. Ouais. Tu m'as agressé un petit peu. Pardon. Je gère pas le stress. On sent le stress de Julie. C'est tout le temps. C'est, tu vis comme ça à haute intensité la saison. Ah ouais, non, mais moi je vais rester entre play-off, play-down. Ah oui. Ouais, c'est pas bon. Ah, ça sent pas bon, mais c'est... Je mais... Non, mais autant... On n'a pas les mêmes problèmes. Autant la... Mais laissez-moi parler. Autant la course au play-down, bah, elle est serrée, mais la course au play-off aussi, finalement. Oui, parce qu'on a plein d'équipes à égalité. Charleville, Lyon... Bah, les trois Basketland. De 2 à 4. Bourges. Enfin, Bourges, j'en sens Roche-Vendée aussi, je crois. Villeneuve-d'Ascq. Elles sont toutes à égalité, donc... Bon, il y a... En fait, il y a Bourges qui domine un petit peu. Villeneuve, Basketland, il y a trois équipes à égalité. Non, après, y a je dirais un peu plus de 3 quand ouais, même. C'est Lyon, Basketland et Villeneuve qui sont égalités de points, je crois. Je suis sûre qu'il y a Charleville dans le lot. Oui, mais après, il y a peut-être deux équipes. Pour moi, il y a Lyon. Mais c'est Lyon en 2, c'est Basketland en 3 qui a égalité sur. Ouais, et il y a Charleville. Sur Villeneuve. Et Charleville, Charleville ils sont 4. Là, c'est sûr qu'ils sont 4. Ouais, c'est ça. De 2 à 4, c'est. Mais ça se bat de tous les côtés en fait. Alors, Bourges est premier avec 38 points. Lyon avec 34 à égalité avec Basketland, Villeneuve d'Ascq. Ouais, après, c'est Charleville à 33 points. Ouais, de 1 point quoi. C'est... Après, c'est Roche-Vendée, Angers. 30, Angers, 29. Et Montpellier, ils sont bien remontés parce qu'à un moment donné, ils étaient derniers. Ouais. Mais ils font une petite remontada. Bah, merci à Saint-Amand d'avoir perdu leur mais match. Je crois que Hugo avait fait un tableau, non avec, ou je sais plus qui, avec les probabilités. Ouais. Avec c'est qui, Julien. Qui était sûr c'est de Julien. Pas c'est Julien, ouais. Avec qui était sûr de pas pouvoir descendre. Mais même si tu, sans regarder les bilans, le niveau de jeu est. En mieux au fil des années, oui, c'est serré. Et en fait, n'importe qui peut battre n'importe qui, c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Dans le sens, bah, Charnay, la semaine dernière, a failli gagner contre Bourges. Saint-Amand a battu Basketland. Oui. Si tu peux éviter de remuer le couteau dans la plaie, ça serait très plaisir. J'avais oublié ça. Non, mais il faut le préciser, parce que vous aimez bien clasher Saint-Amand, mais on fait, mais on fait quand même non, une bonne saison. On aime bien clasher Bellema aussi, quand même, pas con. Ouais, mais on fait quand même une bonne saison. Et bon, aussi. C'est vrai qu'on est un peu on dirait pas les débats qu'on avait. Il n'y a pas de débats en fait. Il n'y a que des bah, Landerneau, malheureusement, c'est la dégringolade quoi. Enfin, mais elles ont beaucoup blessé aussi. Ouais. Bah, je pense, je pense qu'en début de saison, personne ne penserait que Landerneau serait à cette place. Quoi. Non, Landerneau, ouais, j'en parlerai plus tard. Moi, personnellement, j'en parlerai plus tard de Landerneau parce qu'il y a une grosse déception sur Landerneau, mais j'en parlerai plus tard. D'accord. Okay. Le point par point par équipe là, parce que sinon on en a pas. Non, mais c'est dans mon point de, c'est dans le point de joueuse, moi personnellement. Moi j'ai mon petit papier et tout. Oh là là, il a fait ses devoirs. Le mec a préparé. Mais après, pour la fin de saison là, de Ligue Féminine, genre, je sais pas du coup qui va jouer chez qui. Enfin, je sais que Basketland, ces deux derniers matchs sont à l'extérieur. Je crois qu'elles vont jouer à Villeneuve-d'Ascq et je sais pas où. Donc ça va être des gros matchs qu'il va falloir qu'elles aillent chercher notamment. Après, je sais pas, ou Lyon notamment. Lyon, il joue Saint-Amand à domicile. Oh, ça va, enfin, à Lyon quoi. En fait, elle connaît que le c'est gagné pour facile. Lyon. Il n'y a pas des équipes qui vont faire des stratégies, genre on se repose ouais, et après. Mais alors après, il y en a qui vont calculer parce que je pense que c'est toujours le même truc. Que le premier qui joue contre le 8ème. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Le 27 avril. Est-ce qu'il y a des calculs, des stratégies Saint-Amand en premier, peut-être tu vas te reposer pour. Genre bon. T'es vraiment méchant avec moi. C'est une question. Attendez, parce que tout le monde parle dans son coin. Non, c'est une démission, toi. Pardon. C'est un peu l'auberge espagnole. Je reprends ma question. Saint-Amand en playoff, t'y crois? Bien sûr. Okay. Objectivement, moi, j'y crois pas. Ça va être compliqué, mais franchement, non, mais franchement, Lyon est tellement inconstant, on pourrait les battre, je pense. On va battre Charnay, ça c'est sûr, à 100%. Désolé pour les amis Charnay. C'est un match piège quand même. Après, regarde Basketland, on a bien perdu à Saint-Amand. Hein. Bien sûr, ouais. Donc pourquoi on pourrait pas gagner à Lyon? Oui, mais le problème, c'est que là, ça dépend plus que de toi. Non, ça dépend aussi de Montpellier, ça dépend de Tarbes. Et voilà, donc en fait, il n'y a plus le destin entre les mains de Saint-Amand. Et donc, il faut voir ce que Tarbes va faire, ce que Montpellier va faire. Elles peuvent faire leur maximum déjà pour gagner leur match. Ce sera déjà un bon début. Le problème, c'est que ça va pas suffire. Mais t'es trop pessimiste. Mais déjà, est-ce qu'elles vont gagner les deux, tu vois? Bah, tu vas lui briser ses pieds. Non, je suis désolée. Non, Saint-Amand, ils sont trop forts, ils ont des trop beaux maillots, ils t'inquiètent, ils vont aller en playoff. Mais on s'en fout de parler de ça, on verra. Non, on verra quand on aura le gagner. On va gagner. Advienne que pourra. Agathe? Ouais. Tu m'as dit. C'est pas déçu, là. Il y avait des coups.
la mafia landaise. Ah, c'est passé de l'eau, ouais. La mafia landaise, je préfère prévenir. Bah, c'est pour demain, c'est pour que. C'est pour être prête. T'inquiète, verra pour repartir. J'espère qu'on aura des photos. Est-ce que Lyon. Parce qu'on a parlé de Bourges, mine de rien, et de Basketland de leur saison là, sur la, sur la, par rapport aux finales de Coupe de France. Un avis sur la saison de Lyon. Parce qu'en fait, en off, je vous dis. En off, suis un fan de Lyon, je me suis fait démonter, c'est vrai. Voilà. On a beaucoup. Alors, je vais grave m'exclure. Critiquer. Non, non, mais t'exclues pas. Mais j'ai pas critiqué. Non, elle a pas critiqué. Non, ça va. On s'en est chargé pour elle. Ouais. Non, moi j'étais plutôt d'accord avec lui parce que vous avez été très dur avec Lyon. Et finalement, elles sont quand même deuxième du championnat. Moi j'ai envie de prendre la parole. En fait, c'est parce que tu l'as déjà pris en fait. Non, mais en fait, l'explication pour moi qu'on critique autant Lyon, c'est parce que elles ont des individualités de malades. Et en fait, j'ai l'impression que le potentiel n'est pas exploité à son maximum. Et du coup, bah, je suis très déçue quand elles n'arrivent pas à exploser les autres équipes, en fait. Parce que moi, c'est tout ce que j'attends de Lyon. Parce que vu toutes les joueuses qu'elles ont, elles ont des joueuses exceptionnelles. Et elles gagnent, enfin, elles ont failli perdre contre plein de petites équipes. Enfin, quand je dis petites équipes, c'est les équipes du bas classement, quoi. Alors que, bah, franchement, on les attend pas là et on les attend largement. Oui, elles auraient dû jouer la première place, à limite, à embêter Bourges, tu vois, tout au long de la saison. Mais franchement, sur le papier, elles exterminent Bourges. T'imagines Bourges les exploser. Oui, mais sur le papier, pour moi, elles devraient exploser Bourges. Je suis pas d'accord. Peut-être pas à ce niveau-là. Peut-être Non, mais il devrait y avoir concurrence. Oui, voilà, concurrence. On en avait parlé, mais je pense que l'adaptation avec Pierre-Vincent était compliquée. C'est un autre style de jeu qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. Pardon, je dis. Et en fait, ça, c'est un nouveau style de jeu où tu as des joueuses. Effectivement, la déception, elle est là, c'est qu'il y a des joueuses de grand talent, des joueuses internationales qu'on connaît pour leur talent et pour leur beau basket qui aujourd'hui ont du mal à s'exprimer parce que. J'ai l'impression que ce qui se passe avec Pierre-Vincent, c'est un basket très encadré, très traditionnel. Très traditionnel. Et l'exemple, pour moi, le meilleur exemple, c'est Chartereau et Johannes, qui brillent beaucoup moins qu'avant, même si elles ont des bonnes stats. Si Lyon est deuxième aujourd'hui, c'est aussi grâce à des joueuses comme ça. Mais le problème, c'est que c'est un autre basket beaucoup plus traditionnel et qui met beaucoup les ballons à l'intérieur, qui est moins spectaculaire aussi. Et donc, mais forcément, je suis d'accord aussi, et je suis déçu aussi de la saison de Lyon, forcément, parce que j'en attendais plus, et sauf que pour l'instant, l'alchimie prend pas. Maintenant, ça fait une saison, saison. Moi, j'espère qu'en play-off, ça va aussi aller mieux, et à voir comment ça va se passer sur la fin de saison. De toute façon, on le sait, le plus important, ça va être les play-offs. Aujourd'hui, en plus, on est déçu, mais elles sont deuxième du championnat. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire en fait. À 4 victoires de Bourges. Toi, tu le vois en mode les playoffs, ça peut être une nouvelle manière pour Lyon de se relancer. En mode, c'est une nouvelle saison qui commence. Voilà. Elles sont moins fatiguées que des équipes comme Bourges. Pour moi, les playoffs, c'est un nouveau championnat. Mais comme les playdowns, c'est un nouveau championnat, c'est pas le même objectif. Et tu ne le prépares pas de la même manière, parce que tu prépares une série contre une équipe très précise que tu as déjà vue dans la saison. Et donc forcément, moi je pense que des joueuses d'expérience, ça peut être super important. Et des joueuses internationales, ça peut être super important, parce qu'elles ont l'expérience des playoffs, de ces moments importants. Ça fait beaucoup de points importants. Est-ce que c'est important? Ouais, c'est important. Et du coup, non, moi le contrat est rempli, elles sont deuxièmes, elles sont derrière Bourges. Pour moi, niveau effectif sur le papier, pour moi les deux se tiennent. Je vois pas Lyon largement. Moi je suis d'accord avec Julie, le contrat il est pas rempli dans le sens où elle devrait être plus. Comment dire, un kikiné plus des grosses équipes. Plus explosive en fait. C'est pas normal que. Pardon, mais le Lyon-Bourges à l'Astrobal il était serré quand même. Enfin, c'était pas une. Oui, mais regarde, tu vois, Bourges arrive à abattre toutes les équipes. Tu vois, même entre guillemets les petites équipes. Ce que la Svel a pas réussi à faire cette saison. Et je pense que c'est là où tu vois le caractère des grosses équipes. C'était des individualités qui faisaient qu'à la fin, ça gagnait. C'est là où je dis le résultat est fait, on va être deuxième, très bien. La manière n'a pas été faite pendant la saison, ok. Maintenant, on va voir en play-off. Et c'est là où j'en attends plus, effectivement, en play-off. Et même dans la manière où ça va aller mieux aussi. Mais en soi, le contrat, il est rempli. Enfin, elles sont deuxièmes. Est-ce que vous voulez quoi de plus? Elles sont deuxièmes. Après, juste, je rebondis sur un truc. Vous en demandez beaucoup. Moi, j'ai envie qu'elles exterminent les autres équipes. Elles ont largement les capacités. Non, mais franchement, c'est tellement logique. Mais
elles gagnent leur match sur des rats de fil, genre c'est... Parce que le niveau est aussi serré. Non mais c'est valorisant pour les autres équipes, mais... On le voit à Charnay, c'est pas simple d'aller gagner à Charnay. Hein. Oui, et dans le vrai... Charnay, ils ont quoi, 2 victoires? Elles ont 2 victoires et à chaque fois, à la mi-temps, elles sont kiff-kiff. Ouais, mais voilà, même les dernières qui ont que 2 victoires, c'est dur d'aller gagner chez elles. Donc, alors oui, Bourges roule sur tout le monde. Et vous savez que je n'ai pas... Pardon. Il y a des plans différents que je n'ai jamais changés. Elles ont pas roulé sur Charnay, d'ailleurs. Même contre les petites équipes, Bourges, bah, ça roule pas sur Charnay, par exemple. Enfin, là, c'était un contexte particulier. Non, mais il y a toujours des contextes particuliers. Oui, après, il y a eu des blessés à la salle. Je suis d'accord avec toi, c'est plus c'est entre guillemets la magie de la LFF féminine, c'est que tu dis que même qu'importe les équipes, en fait, il y aura toujours. Voilà, tout le monde peut pas tout. C'est pour ça que je vous trouve super dur avec l'ASVEL. Elles sont deuxième. La manière est peut-être pas là et je suis totalement d'accord que l'effectif est pas à son plein potentiel. Attends, même sans parler de LFB, leurs aventures en Eurocup. Non, tu m'as compris. Leurs aventures. Elles sont tombées. Elles sont tombées contre une équipe de WNBA. Et alors, il n'y a pas de meuf en WNBA à Lille. Ouais, mais c'est pas un effectif complet d'américaines qui jouent ensemble en Turquie. Honnêtement, pour avoir fait les matchs, franchement. Mais elles n'ont pas perdu contre Madrid ou je sais pas qui là, une équipe. Alors, en phase de groupe. Moi, je me rappelle. Les Estudiantes. Elles n'avaient pas fait un match aller où elles étaient à plus 10 ou plus 15. Et le match retour de l'ASVEL, elles l'avaient perdu justement et elles ont été éliminées. Mais au final, elles sont arrêtées en 16e ou en quart de finale? Enfin, c'est toujours pareil. Il y a des moments où elles choquent, mais le résultat est là. Et au final, tu perds contre une équipe en quart qui est super forte. C'est ça. Même si, honnêtement, j'ai regardé les quarts de finale, je me sentais pas bien. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas eu match. Et normalement, pour moi, doit y avoir match. Ouais, mais là, c'est là où est le problème. Et là, il n'y avait pas match du tout. Mais enfin, t'es en quart de finale de l'Eurocup, quoi. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Je suis peut-être un peu dur avec Lyon, mais j'ai peut-être beaucoup d'attentes aussi, genre vraiment. Mais je comprends les attentes, et même moi j'avais beaucoup d'attentes en début de saison, et j'ai dû voir mes attentes à la baisse forcément au vu de ce qui s'était passé au début de saison. Honnêtement, les matchs de début de saison, les 4-5 premiers matchs, ils sont pas beaux du tout. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a beaucoup de grosses individualités. Et forcément, tu as de grosses attentes. Au final, on se rend compte que c'est pas parce que tu as de grosses individualités que tu as une grosse équipe. Mais du coup, je pense que dans la tête des gens, tu te dis, mais il y a telle joueuse, c'est pas normal qu'elle performe pas, tu vois, à un certain niveau. C'est des internationales, et du coup, on se dit que ça a été. Et Tarb avait joué cette équipe aussi. C'est Lublin. Ouais, mais Tarb, c'est celle qui avait éliminé Tarb. Attendez, mais là, elles sont qualifiées. Non, c'était pas Lublin. Elles ont perdu contre Lublin. Donc c'était en quart de finale. Ouais, en quart de finale. Non, ça c'est. Bah si. Si. C'était pas Bourges, je sais plus. Non, c'est là, c'est quart de finale. Contre Mersin. Enfin, moi je dis Mersin. Merci. Je sais pas comment vous dites, mais. Merci. Merci. Dites-nous dans les commentaires. Plutôt merci, Mersin. Après, je défends ma patrie aussi, donc c'est un peu fort. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis peut-être un peu dure, mais les attentes sont là, quoi. Après, même sur la LFB, moi je trouve qu'il a raison. Vous étiez archi dur, et c'est vrai que quand tu regardes le classement, elles sont deuxièmes. Elles gagnent sans mérite souvent. Je suis désolée, le sport, c'est au final, on retient le gagnant. On s'en fout du mérite. Non, tu veux pas dire sans mérite, par contre. Tu veux dire sans manière ou sans beau jeu, mais pas sans mérite. Oui, mais regarde, c'est la force de certaines équipes. Bourges a gagné des matchs cette saison où elles ont été menées, par exemple, une bonne partie du match. Et elles ont réussi. Elles ont réussi de nombreux matchs où elles ont été mises en difficulté à tuer le match à la fin, et c'est là où tu vois entre guillemets le caractère de grosse équipe, c'est de te dire mais au final on arrive à s'imposer au final. Mais Bourges, ils arrivent à mettre des gros coups d'accélérateur quand il faut. Je te dis, ça mérite pas parce que c'est genre une qui prend feu et pas le reste de l'équipe. Après, il faut avoir le basket aussi. Après, t'as des. Dans tous les cas, n'importe quelle équipe, Saint-Amand, Landerneau, ils rêveraient d'avoir cette place, cette deuxième place. On peut pas cracher, il y a un travail. Puis honnêtement, tu vois des équipes comme. Je pense à des équipes comme Angers ou La Roche ou Charleville. C'est à des fins de match pareil où c'est une joueuse qui prend feu, une ou deux joueuses qui prend feu. Moi, je pense au dernier match de Charleville que j'ai fait. C'est Tima Pouille qui a pris feu, qui a géré toute la fin de match et qui fait gagner son équipe sur toute la fin de match. Mais c'est aussi ça la force des grandes équipes, c'est t'as des bonnes individualités, elles se révèlent au moment où il faut. Et donc, oui, dans le collectif, dans le match. C'est pas beau, c'est pas le meilleur basket, mais à la fin elles sont là. Après, il faut savoir qu'il y a un travail
en backup qui est fait aussi par les coéquipières pour mettre en avant. Oui, il faut arrêter de croire que quand tu as des joueuses ou des joueurs qui sont à 45 points, bon, peut-être comme 45 points, j'abuse. 42, regarde, par exemple, exemple Marine Joannès, elle sert des caviars. Voilà, ouais, c'est la passe aussi qui fait le beau shoot. Mais tu vois, c'est comme le débat sur Sarah Michel, c'est une joueuse qu'on va pas voir sur les stats, mais qui va réussir à mettre en avant des joueuses comme Rupert qui brille aussi par le fait qu'elle maîtrise aussi plusieurs choses. Mais voilà, t'as un travail qui est fait, même à l'ASVEL, pas d'accord, parce que vous appréciez ou pas, mais à l'ASVEL, ils sont deuxième, il y a un travail. Bon, c'est pas flamboyant, mais il y a un travail collectif qui est fait, c'est sûr et certain. En plus, il y a beaucoup de joueuses qui se connaissent, notamment de l'équipe de France, qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Il y a quand même un groupe. Après, c'est moins marqué que Basketland ou des groupes comme Bourges, etc. Le seul truc que je reproche à Lyon, c'est juste qu'elles auraient... On attendait mieux. Bourges ne devrait pas être avec autant d'avance devant. La seule critique qu'on peut donner à l'ASVEL, c'est qu'on attendait... Parce que je pense que c'était l'équipe... Quand tu regardes, qui est le mieux armé techniquement pour faire opposition à Bourges à ce niveau-là. Et c'est là la difficulté, du coup ça revient sur la question de Pierre-Vincent. Pas forcément collectif, mais le management, la tactique. Il y a eu des problèmes de blessures, il y a plein de joueuses qui sont arrivées en cours de saison. Oui, mais à ce moment-là, c'est dans toutes les équipes. Genre Basketland, les meufs, elles sont inconnues au bataillon, mais elles arrivent à se trouver. Oh, tu peux pas dire ça. Non, mais tu vois, genre Harmon et tout, on sait pas qui c'est. Mais Harmon, elle a joué à Askew. Mais non. Toi, t'as vraiment une basket. On va pas repartir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas... Mais il y a moins de noms flamboyants. Mais c'est un collectif qui s'est construit selon les individualités. Mais c'est, en fait, c'est le travail de Julie Barrène. Et c'est pour ça que c'est une des meilleures coachs qu'on a actuellement aussi en France. C'est qu'elle a un travail. C'est très très bien ce travail. Oui. C'est qu'il arrive à faire jouer toutes ses individualités. On peut pas dire qu'à Bourges ou à Basketland, il n'y a pas des fortes individualités. Non, mais des joueuses, mais même Foutoux, elle est. Non, mais ce que je veux souligner, c'est que t'as pas un nom flamboyant qui va prendre le dessus sur tout le monde. Bah à l'ASVEL non plus. Hein. Bah à l'ASVEL t'en as une qui se réveille et c'est tout. Non mais parce que les autres là, mais il y a pas de collectif, c'est ça que je dis. Non. Après je comprends. Mais après le collectif il est moins construit. Ça je peux et le comprendre. Et les individualités elles ont du mal à prendre leur place. Oui mais parce que c'est ce qu'il disait au final, c'est que Pierre Vincent il essaye d'instaurer un jeu, mais je pense que l'alchimie, voilà, c'est une question d'alchimie, elle se fait pas. Comme pareil, ils vont faire une grosse saison l'année prochaine. Peut-être que Lyon va faire une grosse saison l'année prochaine. Ouais, peut-être, il faut du temps. Par contre, ça, on a du mal. C'est au Paris, du coup. Non, mais après, on a du mal à admettre qu'il faut du temps pour faire fonctionner les choses, oui, créer des automatismes. Que... C'est comme, je suis désolée, mais c'est comme avec l'équipe de France. Toupane, on l'a incendié. C'est notre dossier. Ouais, voilà. Mais pour moi, Toupane, on l'a incendié dès le départ. Après, Toupane, c'est différent. Les échéances sont plus courtes à un certain truc. Il faut performer rapidement. Mais c'est difficile. Tu vois, il y a la Coupe du Monde là, en septembre. Il va falloir qu'il performe, sinon il va prendre la porte. Mais il vient d'arriver. Mais c'est compliqué. Il a joué avec trois joueuses, il y en a 10 qui sont absentes des anciennes et il faut qu'il... Oui, mais regarde, imaginons l'équipe de France passe même pas les phases de groupe à la Coupe du Monde. Bah ça me choque pas. Moi ça me choque pas. Moi je pense sincèrement que la fédération, leur objectif c'est Paris 2024. La Coupe du Monde. Alors Paris 2024 c'est quand même... Mais regarde, t'as vu, genre bientôt. Oui, mais là, il y a une marge. Oui, mais il y a du temps, mais comme on peut le dire, tu vois, une équipe, ça se construit progressivement, surtout tu vois, en équipe nationale. D'accord, il y a du temps. On part pas de zéro non plus, il faut déjà un effectif qui est déjà clairement... Bah voilà, mais dans tous les cas, pour moi, la notion de temps pour faire travailler une équipe, ça n'est pas du jour au lendemain. La FARC, ça fait combien de temps qu'ils travaillent avec les mêmes filles? C'est vrai que ça, c'est la force. Barrette, ça fait combien de temps qu'elle travaille avec les mêmes filles? Voilà, et là, en fait, mais mine de rien, Pierre-Vincent, il fait quand même une performance dans le fait que, avec le collectif, l'équipe qui a... J'arrivais pas, mais attends, juste... Mais moi, je suis pour aucune équipe, vraiment, on a dit objectif. Pas les grosses équipes. Je regarde les défaites de l'ASVEL cette saison. Tu perds contre Landerneau en début de saison. Ouais, erreur de parcours. C'est vraiment une seule défaite. Tu perds contre Lyon. Bah voilà, pareil. J'ai une équipe sur deux matchs. C'était le premier, il venait d'arriver. Tu perds contre le BLMA après prolongation.
Bah, erreur de parcours aussi. Attends, quand on voit ce qu'a fait le BLMA cette saison. Attends, c'est deux erreurs de parcours. Attendez, le BLMA, ils ont fait un très bon début de saison. Hein. Bah, le début de saison du BLMA, il était après très bien. Et au final, c'est 3 points de Craven Dacu. Tu perds contre Bourges de 9 points à domicile. C'est pas choquant. C'est pas choquant, ça. Ouais. Tu perds de 12 contre Basketland. C'est pas choquant. On représente. Bah, oui, mais de 12 contre les gros. Tu perds, donc là, ensuite, tu perds contre La Roche Vendée de 6. Bah voilà, bah, troisième erreur de parcours. Là, ok, erreur, mais qui est arrivée récemment. Non, même pas, parce que je crois que j'ai fait ce match et de mémoire, il était assez ouf. Okay. Je crois que Roche Vendée, c'est un match de malade. En fait, sur un match, sur des équipes d'adresse comme ça, comme Roche Vendée, il suffit qu'ils s'assoient un soir où elles rentrent tous les 3 points et c'est fini. Et après, récemment, elles ont perdu. Récemment, elles ont perdu contre Tarbes de 3 points. Elles perdent contre tous les gros. C'est ça qui me... Et je te dis encore une fois, je suis pour l'Asvel aussi. T'es marrant. Mais elles perdent contre Basketland et contre Bourges. Alors, je vais clore le débat, mais franchement, elles ont gagné plus 15 au retour contre Basketland. C'était quand? C'était il n'y a pas longtemps. C'était le 26 février. On les a éliminés en Coupe de France, on sait. Oui, et on a gagné à la Coupe de France, du coup. Pour avoir fait le match, honnêtement, on méritait totalement de gagner le basket-ball. Ouais, voilà. Merci. Et contre le BLMA, tu gagnes de 18. La semaine dernière. Non, mais le BLMA, c'est plus un gros poisson. Non, mais je veux pas m'attirer d'ennui. Ça balance le BLMA. Je veux pas m'attirer d'ennui, mais faut. Non, des représailles. Ça, tu verras ça avec toi. Non, après, stop. Fin du débat, mais après, le LASVEL, voilà, je mets un point là-dessus. Je comprends qu'on les attendait plus haut parce que voilà, c'est une grosse équipe, qu'on se le dise. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, il faut du temps pour créer une équipe, un groupe, même si les filles se connaissent déjà, pour qu'il y ait une dynamique de jeu. C'est la question de la dynamique de jeu qui prend du temps. La Fargue, il n'est pas arrivé ici comme ça en claquant des doigts. Rennes, c'est pareil. Oui, et il y a eu un travail avec chacune des joueuses. Et l'Asvel, finalement, ils font le taf. Ils sont actuellement deuxième. Mais je pense qu'ils ne sont pas dans leurs objectifs. Parce que là, comme ça se profile, elles ne vont pas jouer l'Euroleague la saison prochaine. Comment tu peux ne pas être à tes objectifs, t'es deuxième du championnat. Je pense que Tony Parker, quand il a investi là-dedans, c'est pour gagner des titres. Elles en ont gagné au début. Alors même si c'est en reconstruction là, t'es deuxième du championnat. On verra si elles font un play-off. Mais là, moi je dis rendez-vous en play-off. Voilà. Et là on en parlera. Oui, on verra. Mais là on est sur la culture de l'instant. Play-off, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Il est sur des projets à long terme. Play-off, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Ah, play-off, c'est ça. Parce que tu as un Parker, ça. Voilà, Parker, c'est quelqu'un qui investit beaucoup. Il est sur plusieurs championnats, plusieurs sports, machin et tout. Il a des projets à long terme. Il fait des académies pour les enfants. Enfin bref. Il est sur des projets à long terme. Bien sûr que l'investissement à l'instant T sur Pierre Vincent, il ne l'attendait pas. Enfin, je dis bien sûr, je ne sais pas. Elle a tenu par cœur le soir, en fait. Mais quiconque sait, quand tu dois créer une équipe et chercher des titres, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'objectif en faisant venir Pierre Vincent, ce n'était pas du win now. Hein. Ce n'était pas du gagner tout de suite la saison prochaine. Merci là, maintenant, tout de suite. Dis ça à son frère chez les hommes. Je pense pas qu'en faisant venir Pierre Vincent, t'es sur un projet, mec, tu gagnes un trophée. Non, je suis soit d'accord. Cette saison, soit la saison d'accord. prochaine. Tu fais venir un coach. Non, mais je sais reconnaître quand il a raison. Tu fais venir un coach comme ça, c'est pour du long terme. Oui. T'as des joueuses qui sont quand même jeunes, entre guillemets, pour certaines. Et c'est un projet qui est long terme. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu sens pas dans leurs yeux une envie de gagner. C'est le temps. Tu sens pas l'effet de groupe, je sais pas, il y a un truc. Je persiste que là-dessus. T'as l'impression que la mayonnaise, elle a du mal à prendre. Voilà. Affaire à suivre. Et bien, rendez-vous. Voilà, rendez-vous en play-off. On va se faire éliminer 3-0. On va prendre 15 points. J'espère qu'en play-off, elles auront plus envie de gagner. On s'est réunis par Saint-Amand, on va prendre 15 points. Bah, franchement, j'aimerais. Non, mais en fait, je suis moi-même déçu de la saison de l'Asvel. On va pas se le cacher, je suis déçu de la saison. Maintenant, je dis. Le but, c'était pas l'objectif, c'était pas de gagner maintenant. Il faut attendre que la mayonnaise prenne. Et en vrai, on est deuxième. J'attends de voir en premier. D'accord. Voilà, fin. Il a très bien conclu. On a fait une heure sur l'Asvel. On va pas faire toutes les équipes. Hein. Est-ce que. Alors, basket là, on a déjà fait. Moi, Charles. Non, c'est bon. Villeneuve-Dasque. Non, j'ai pas envie de faire. Et sinon, là, je suis partie pour faire toutes les équipes. On peut parler de Charleville qui. T'avais mis, t'avais pris un très discrètement, mais très fort. On remet le doc et on fait un peu de nos équipes. Allez, on y va, c'est parti. Alors, les équipes qui ont fait bonne impression.
On en a parlé de ça. C'est sur l'Euroleague et l'Eurocup, si on va venir un peu sur... Bah, ouais. Les top équipes, en fait. Bah, Bourges. Non, moi, je trouve que Angers fait une très bonne... Ouais, Angers. Ah oui, Angers, oui. Alors que ils viennent de l'FB, là. C'est quoi le thème? Bah, c'est la LFB. Ok. Mais normalement, il y a une ligne au-dessus, impression sur Eurocup et Euro. Bah, je croyais qu'on avait déjà commencé la LFB. L'émission va durer jusqu'à 3h du mat. Là, vous avez de quoi boire. Non, pire, on saute ça et on fait. Mais il y a plus de bière à la LFB. Ouais, mais l'Euroleague, on en a parlé un petit peu. Donc, les équipes qui nous ont fait bonne impression. Bah, oui, en Euroleague. Bah, en LFB. Attendez, chacun son tour. En LFB. Les équipes qui ont fait bonne impression. On lève la main. Comme à l'école. Alors, qui est pour Angers? Attendez, elle a levé la main. La main, non. Los Manitos. Bah, franchement, la top équipe, c'est Bourges. Non. Et l'équipe qui m'a fait la meilleure impression, c'est Angers. On oublie qu'ils viennent quand même de Ligue 2. On écoute les gens qui sont cités là. Et ils t'écoutent pas, eux. Pardon. Vous sortez. Non, mais Angers, en fait, ils viennent de Ligue 2. Et par exemple, Charnay, qui venait de Ligue 2, avait hyper du mal en LFB quand ils sont montés. Landerneau, pareil. Et là, Angers, bah. Et leur coach, ils vont jouer les play-offs. Alors que c'est incroyable. Ouais. On fait du très bon travail. Ensuite. Les autres. Qui d'autre? L'équipe, moi j'ai une meilleure impression. Ouais. Moi j'ai une impression sur Tarbes, mais c'est pas tant l'équipe, c'est. Tu sens des joueuses qui progressent beaucoup chez Tarbes. Bah après, ouais, ça c'est la réputation. Après, elles ont eu beaucoup de blessures, Tarbes, franchement. Oui. Elles sont pas aidées depuis qu'elles sont blessées. Et puis notamment Anatadisk qui a été blessée, qui franchement carburait bien. Tu aurais la baraque. Et tu sens des grosses progressions, bah, notamment tu vois Marie Pardon qui fait des matchs où elle dure 40 minutes depuis 10 matchs. Elle progresse beaucoup. Mais c'est bien. Après, c'est tard, j'ai fait un match il y a pas longtemps où elles ont joué à 6 ou à 7. Là. Ah bah ça fait 2-3 matchs qu'elles jouent à 6. Après, elles sont mises en difficulté, mais c'est un avantage au final parce que les joueuses elles ont beaucoup de temps de jeu. Alors du coup, même si elles sont en difficulté, ça fait progresser. Mais du coup, t'as pas le meilleur niveau de jeu, t'as pas le meilleur basket. Et je trouve qu'elles ont bien relevé le défi. Notamment Marie Pardon. Mais Tarbes, c'est un peu ce qu'elle pourrait se retrouver, je pense, en joker dans une top équipe bientôt. Moi j'avais mis Charleville-Mézières parce que j'aime bien le basket que ça propose. Je trouve que ça joue bien, je trouve que ça joue collectif. Et c'est 5e du championnat, je pense que c'est dans leurs attentes à peu près. Oui. Et voilà, j'aime bien regarder les matchs de Charleville-Mézières. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Nakator, je la trouve très forte. Mais oui, c'est très, très fort. Bah, justement, le dernier match que j'ai fait, c'était elle et avec Tima Pouy. Elles ont géré à deux la fin de match de Charleville alors qu'elles étaient derrière, elles sont revenues et elles ont géré à deux. Et j'ai eu un vrai commentateur. Et moi j'aime bien Charleville. Mais je te rejoins parce que j'aime bien aussi le jeu proposé par Charleville. Bah ouais, j'aime bien le jeu. Tout à l'heure, c'est elle qui m'a dit j'aime bien trop le jeu Charleville. Mais en plus, j'ai jamais dit ça. T'as dit ça, caméra. Elle a dit ça, non? Mais quand on est allé chercher l'épisode, je t'ai dit quoi sur Charleville? Oui, si, on en a parlé. Tout à l'heure, tu l'as dit. Mais je parlais de Villeneuve d'Ascq. Je n'aime pas le jeu proposé par Villeneuve. En plus, ce que j'aime bien Charleville, c'est que ça s'adapte face aux équipes. C'est-à-dire que bah des fois ça va beaucoup plus shooter à 3 points, des fois ça va beaucoup plus jouer sur un 14, des fois c'est... Et vraiment j'aime bien ce que ça propose et voilà. Parce qu'elles étaient deuxièmes pendant un certain moment. Elles avaient des matchs de retard aussi, c'était chiant. Elles avaient beaucoup de Covid, je me rappelle. En début d'année, ouais. Après leur calendrier de fin de saison est compliqué. Hein. Ah ouais, là... Roche-Vendée Basketland... À ce moment-là, c'est compliqué pour Basketland aussi, parce qu'il faut qu'elles aillent battre... Alors je crois qu'elles ont souvent battu Basketland, elles ont souvent gagné à Charleville, mais je pense que là d'autant plus ça va être important qu'elles gagnent. Mais je pense gros match, je sais pas quand est-ce que c'est là. Ouais, ça va être mais Charleville basket, je pense que ça va être un gros match. Avec de l'enjeu en plus. Ouais. Et au moins on verra du beau basket. C'est quoi ce truc là? Contrairement à un collectif. Non mais j'attends en fait la fin de la. Non, le pire c'est que la première équipe qui me vient c'est l'ASVEL, c'est pour te dire. C'est deux équipes qui jouent bien, qui jouent collectif, qui a un collectif qui est voilà. Et bah, moi, c'est deux équipes que j'aime bien regarder. C'est pour ça, dans mes tops, j'aime Charleville-Mézières. Ils arrivent à lire les commentaires. Ouais, on voit comme ça. Sinon, j'avais mis Bourges. Tu veux peut-être que je me dégage du truc. Mais Bourges, de toute façon, moi aussi, j'avais mis. Non, mais faut le dire en fait si je gêne. Non, tu veux que je m'enlève? Non, mais je m'en fiche. De toute façon, les gens, ils vont préférer m'écouter que me voir. Ah, d'accord. Chacun ses certitudes. Agathe. Non, moi j'avais mis Angers et Bourges parce qu'ils roulent sur tout le monde. Il n'y a rien à dire.
Bah c'est ta déception. Et... Non, c'est pas ta déception. Ça l'embête que bonjour sur tout le monde en fait. Bon, ah. À l'instant T, au summum, enfin le meilleur niveau basket qu'on ait vu, c'est Bourges. Ouais, et, ouais, c'est et avec le niveau des autres équipes qu'on a vu, personne peut challenger Bourges aujourd'hui à son meilleur niveau. À part Basketland aujourd'hui. Oui, mais Bourges n'était pas à son meilleur niveau. Oui, mais Basketland non plus, si tu pars par là. Bah si, elles ont mis en dégâts. Mais après, c'est des... Tu veux quoi de plus à Basketland? Après, je pense que c'est l'avantage de ce genre de match couperé où genre tu meurs ou tu vis, tu vois. Genre. Soit t'es dans la tendance ou tu es pas. Oui. Et je pense que Basketland, tu vois, ils en ont notamment profité l'année dernière quand elles ont été championnes de France, parce que peut-être que c'est des équipes qui arriveraient peut-être pas à durer sur des séries, alors que Bourges certainement, parce qu'il y a aussi peut-être plus d'expérience, etc. Et voilà. Non mais là, le format des playoffs, on est d'accord, oui. C'est plus un seul match. C'est l'aller et l'aller-retour. Ouais, c'est aller-retour. C'est, bah, victoire c'est ou l'aller, l'aller-retour. L'aller-retour. mais c'est du coup c'est nombre de victoires ou c'est addition des points, je crois. Si c'est comme en LF2, c'est victoire et il y a une belle éventuelle. Ah oui, non, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est comme en LF2. Il y a un tuto là. Et bah aujourd'hui, en aller-retour, personne ne bat Bourges à son meilleur niveau. Non, je suis d'accord, je pense pas. Et on l'a vu, c'était en... C'est premier contre huitième, deuxième contre septième. Mais la preuve, troisième contre sixième. Tout le monde d'accord, genre, on est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure équipe du championnat. C'est difficile de dire que... Après, il faut voir avec l'Asvel en playoff. Non, j'ai mais juste une question, parce que vous êtes nombreux à mettre Bourges, mais Bourges, est-ce qu'ils sont pas là où on les attendait? Même si, voilà, ils ont... Non, parce que Bourges se sont fait lyncher début de saison. Parce que leur recrutement était soi-disant vieillissant et tout. Bah non, bah franchement, elles répondent très présentes. Hein. Okay, voilà, et elles font taire les gens. Elles ne sont pas blessées tant que ça. Non, c'est vrai. Après, quand tu regardes aujourd'hui, au début, on a beaucoup craché sur l'effectif de Bourges, mais aujourd'hui, l'effectif, il prend tout son sens. T'as l'un des bancs le plus complet de LFB. T'as des joueurs qui se complètent à mort. Il y a un équilibre. Et il y a... Bah, l'effectif est juste super complet. Bah, c'est cohérent, quoi. Ça défend bien. Moi, ça j'ai pas craché. Hein, mais je parlais pas forcément de toi. Je parlais en général. Je sais pas, je me suis dit, s'ils recrutent comme ça, c'est sûrement pour une raison, quoi. Oui, ouais, parce qu'aujourd'hui, tu fais confiance à la FARG et tu sais que... Oui, voilà. Mais à un moment, après, ça aurait pu ne pas être payant, mais toi, tu peux pas le savoir à l'avance. Ouais. Ah, bah ça, c'est clair. Ils auraient pu se... En tout cas, on était beaucoup, je pense, mais regarde, je te trompe. Regarde, tu vois, c'est un peu le contraste que tu peux faire avec Landerneau. En début de saison, on s'est dit que Landerneau avait fait un bon recrutement. Je pense qu'on s'est tous dit ça. Ah oui, moi, c'est ce que je me suis dit. Oui, je me suis dit ça. Pardon. Je me suis dit ça aussi, oui. Et au final, voilà, après, je pense que c'est aussi les risques que tu as en début de saison. C'est que tu sais pas si la mayonnaise va prendre. Ils ont bien recruté. Tu dis ça pour Landerneau, mais bah tu dis franchement, pas oui, Saint-Amand a une bonne dynamique. Je constate, c'est tout. Je constate. J'ai une haine profonde pour la Svel. On a fait des belles choses. Je vois qu'il y a une haine profonde pour la Svel, c'est pas vrai. Une haine on se calme. Tout ce qui n'est pas bleu et blanc. Je reprends la mano. Stop. Oui, reprends. Allez, reprendra je la manoche. L'Elix. Moi, j'ai pas fait mes devoirs. L'équipe, que ce qui vient, bah, il y a Angers parce que la petite Peterson est très très forte. En fait, c'est pas Basketland, c'est juste Regan. Ouais, c'est ça, moi c'est Regan à Basketland, c'est pas. Non, mais Regan, elle joue à Santa Maria. En fait, on sera toujours pour l'équipe où il y aura Regan. Je serai pour cette équipe. D'accord. Et puis concrètement, j'avais pas d'attente en fait, parce que déjà, j'ai pas vu l'été qui s'est passé, tu sais, les recrutements, j'ai pas suivi. Et je suis arrivé en cours de saison. Ouais, c'est vrai. J'avais aucune attente, mais les équipes qui font kiffer, et globalement, toutes les équipes qui font kiffer, tu vois. J'avoue, la Svel, j'ai regardé quelques matchs et c'est compliqué. Mais globalement, ça se fait en basket. Parce que t'as quand même fait pas mal de matchs en Ligue 1. Ouais, on a mangé de la saison à LFB. Il y avait pas mal d'équipes différentes. Ouais. Et franchement, bah, genre, on l'a dit, c'est hyper serré partout. Et ça veut dire que le niveau de jeu est globalement bon partout. Tu vois. C'est ça qui est dur aussi pour sur ce format, sur ce championnat au final. C'est que il y a un niveau qui est assez homogène. Je sais pas si c'est comme ça tous les ans, tu vois. Mais j'arrive pas à... C'est de pire en pire, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus serré. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est de plus en plus serré. Ouais, mais ouais, c'est bien, ça fait une bonne publicité. Voilà, je pense que les joueurs se parlent entre elles aussi. Bah, pour moi, le championnat français, c'est un des meilleurs championnats de basket. Oui, t'as ça et la Turquie et la Russie, et ouais, ça fait partie de la Russie. C'est pas comparer ça. C'est le genre de pays où t'as deux équipes qui roulent sur tout le monde. Il y a que les 4 Les 4 et le Dynamo, quoi. Vous connaissez que ça, mais vous connaissez pas le niveau des autres équipes. Mais elles marchent dessus. Mais attends, quand tu veux. D'accord, mais elles marchent sur tout le monde.
Mais ah parce oui que mais justement ouais, donc ça les équipes russes en fait. Oui, c'est genre c'est l'Euroleague qui fait qu'elles sont vous êtes devenu expert du championnat russe, pardon. On n'est pas vexé. Mais franchement, je crois que je m'y étais déjà penchée et il me semble que vraiment il y a trois équipes qui survivent. Et même moi, des fois je regarde parce que c'est des grosses je vais reformuler ça. Là, on trouve les meilleures joueuses, c'est en Turquie, en Russie, en France. Oui, mais ça, c'est le gros budget. Et bah ouais. Mais oui, mais forcément, le budget participe. T'auras dit, il faut la payer. Hein. Le budget participe au fait que ce soit de plus en plus difficile. Si l'on se gagne, je finis à poil. Hein. Pardon. Non, en fait, il y a eu un partout. Il y a un PSG, il y a une facilité à ce 3 points ici. C'est déconcertant. Ça y est, cool. Je vais être partout PSG Lens. Un partout PSG Lens. Comme une victoire de Lens pour Après, je sais pas si vous attendez, on peut pleurer peut-être. Les 100 et or. Bon, du coup, parce qu'il est déjà 23h. On est à 1h. Oui, une heure et demie d'émission, je pense. Le temps passe vite quand on se réveille. Le temps passe très vite. La soirée surtout. Bah ouais, je vois ça. Et à qui les impressions, tout le monde a fait ses impressions. Oui, ouais, c'est bon. On a bien d'être dans les déceptions. Après, déception. Alors, la team déception. On a déjà parlé de l'Asvel, c'est bon. Déjà, on a mis l'Asvel. Déjà, il y a l'Asvel, mais pour tout le monde, moi aussi, je mets l'Asvel. Mais après. Après, je mets Montpellier. Montpellier. En fait, Montpellier, c'est marrant, mais pour moi, ça ressemble un peu à l'Asvel dans le sens où on avait beaucoup d'attentes parce qu'il y a des joueuses qu'on connaît, des joueuses internationales. Oui. Et bah, l'alchimie n'a pas pris. Après, on a vu certaines belles choses. Je ne sais pas ce que tu vas dire, toi. Les blessures. Mais moi, alors, blessures. Et je pense notamment au début de saison. Et c'était bien. C'était quand même Stéphane Leite, je crois qu'il devait de base entrer. Oui, le petit scandale. Ouais, mais je suis désolée, ça perturbe parce qu'au final, la saison, tu la prépares avant le début de la saison. Tu pardonnes Montpellier parce qu'ils ont un nouveau coach en début de saison. Ça, c'est marrant, ça me rappelle une autre équipe. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans l'organisation. Non, mais oui, bien sûr. Il faut oublier le parcours Europe aussi. Mais oui, mais je pense que c'est l'équipe qui a le plus empathie du fait de devoir combiner Europe et championnat. Oui. Où vraiment, bah, elles ont eu des blessures, elles n'avaient pas du tout le même visage en Euroleague. Oui, parce qu'elles performent en Euroleague. Alors qu'en championnat, elles commencent à performer là sur les dernières semaines. Mais... Si je peux me permettre, moi je les avais vues au match des champions à Coubertin. Hein. Je pense que c'est ça, c'est Coubertin. Paris-Coubertin. Elles avaient gagné. Et elles avaient gagné, mais c'était pas dégueulasse, même si je sais qu'il y avait des absentes du côté de Basketland, il me semble. Mais c'était pas dégueulasse le jeu. C'était pas contre le BLMA ? Ah non, contre le BLMA. BLMA contre BLMA. Non, contre le basket là. Mais si, c'était le championnat de France contre championnat. Et le BLMA avait proposé un jeu, franchement c'était super. En plus, on voyait Poupa qui revenait dans le championnat français et tout. Et elle faisait un super match. Enfin, ça tournait bien. Et après, c'est vrai que le BLMA, bon, je suis pas une fan du BLMA, mais je sais qu'elles ont cumulé les blessures. Et c'est là que ça pèse parce que ton roster il tourne pas. Donc quand tu cumules LFB et Euroleague, en plus l'Euroleague, l'intensité que ça demande et le travail, bah voilà. Mais surtout qu'elles n'ont pas eu un match facile. Elles ont joué en Russie, pareil. Très peu, je sais plus quel match c'était. Il y avait personne sur le banc, je crois. Mais ouais, je crois. Ah oui, ça m'avait fait beaucoup de peine, je me rappelle. Oui, Mais c'est pour ça que je dis, je pense qu'elles ont un peu priorisé l'Euroleague ou le niveau de jeu. Ah oui, c'était ça le... Et maintenant, c'est compliqué pour elles parce qu'on ne sait pas si elles vont aller en play-off. Mais après, pour elles, ça va être les play-offs. Je les vois pas en play-offs. Enfin, déjà, elles ont échappé au play-down, elles sont contentes. Quoi. Enfin, bah, c'est pas sûr encore. Pas trop demander, c'est ça que t'allais dire. Là, elles sont 8e. Pour l'instant, elles y sont, mais c'est donc à la limite. Je crois pas qu'elles aient de chance de descendre. C'est quoi leur calendrier là, pour vous ? Dans le tableau de Julien, je crois pas qu'elles aient des chances de descendre. Alors, elles jouent Tarbes et Bourges. Ouh là là, elles reçoivent Tarbes et Bourges. Et c'est Tarbes, c'est un concurrent direct, ouais. Donc ça va être hyper important. Et Bourges, bah bonne chance. Je sais pas si elles avaient battu Tarbes à l'aller. Je sais pas. Je sais plus. Écoutez, mais après Bourges avec la Manche, ça va peut-être lâcher des matchs. Hein. Je pense pas que c'est la mentalité, mais peut-être qu'elles vont moins se... Oui, mais en même temps, il faut qu'elles préparent les play-offs, tu vois. Donc, et surtout après le match de ce soir. Mais elles vont pas s'arracher comme en finale, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est vraiment pas le genre de bon. Soit tu te reposes un peu. Mais je pense pas. Moi, je pense qu'elles ont un effectif assez complet pour pas avoir besoin de se reposer. Oui, peut-être qu'elles vont faire tourner. Bah, regarde, à Charnay, elles ont fait tourner. Hein. Mais Charnay, elles sont dernières. Non, mais c'est. Mais moi, je veux parler de Charnay. Parce que, en fait, il y a un truc, c'est que quand on. C'est marrant, mais dans les teams décevantes, là, quand j'ai préparé le truc, parce que j'ai préparé le truc. Il a fait ses devoirs. On n'a rien truc en fait. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est est-ce que je mets Charnay ou pas? Parce qu'elles sont dernières, elles ont que 2 victoires et tout. Et moi, je trouve ça hyper sévère, parce que c'est un effectif.
c'est un effectif jeune. Je sais pas si c'est décevant parce que je sais pas quelles étaient leurs attentes. Est-ce qu'elles se voyaient vraiment plus hautes que... Après, est-ce qu'on peut être déçu en mode... est-ce qu'on voyait Charnay jouer les playoffs cette année? Bah non, pour moi, voilà. pour moi, dans le jeu, je suis désolé, j'ai fait plein de matchs de Charnay depuis que je suis arrivé. Et honnêtement, ça joue pas si mal que ça. Oui. C'est juste ça craque en deuxième mi-temps. Mes conclusions d'article, à chaque fois, c'est en première mi-temps, Charnay a de l'espoir, elle tient le score. Deuxième mi-temps, enfin fin du match, c'est dommage pour Charnay, on y aurait cru. Ouais. Et presque tous les matchs de Charnay, c'est ça. Et en fait, dans le contenu, c'est pas si mal. Elles ont du mal à s'adapter aux défenses que proposent les adversaires. Et en fait, elles ont du mal à gérer aussi les fins de match parce que pour moi, c'est un effectif jeune. Et j'ai pas trouvé le cadre à Charnay qui est là pour gérer les fins de match, pour avoir... Oui, c'est vrai, il n'y a pas de joueuse en plus... Genre une Céline Dumerc de Charnay, par exemple. Qui gère les fins de match et qui est là, bah, on pose, on calme, qui gueule. Et elles ont eu des recrues en cours de saison, notamment Kim Boucher, Zoé Wadouche. Le départ de Lexibo, quand même, aussi. Qui a fait beaucoup de mal. Parce que ça a déséquilibré l'équipe de fou. Ouais, c'est ce qu'on disait. Mais même quand elle était là, c'est déséquilibré. Et pour moi, Charnay, c'est pas une équipe décevante. Parce que je les voyais à peu près par là, on va pas se mentir. Et d'accord. Le contenu est pas si mal. Et pourquoi tu trouves pas que Saint-Amand... Enfin, pourquoi t'as pas le même sentiment pour... Non, mais en fait, je veux vraiment savoir pourquoi tu n'as pas ce même sentiment pour Saint-Amand. Mais je suis pas déçu de Saint-Amand non plus. Elles sont là où je les attendais. Ouais, je suis d'accord avec... Elles sont là. Non, mais... Elles ont la santé. Non, mais on sait que c'est un beau maillot. Je les évite pour mes rétines, mais c'est... J'ai eu en libre. Non, mais en soi, Saint-Amand, pareil, je suis pas déçu. Parce que le contenu n'est pas si mauvais que ça. C'est là où on les attendait, avec les joueuses qu'on attendait. Et pour moi, c'est pas après, décevant. Moi, là où Lyon et le BLMA, c'est décevant parce qu'on avait des attentes hautes et ça répond pas à nos attentes. Pour revenir à Charnay, parce que moi je l'ai fait au début de saison pas mal aussi, et c'est être choqué déjà. Mais les débuts de match, c'était super à regarder parce que il y avait une intensité, elle donne une intensité, et même défensivement, elle récupérait des ballons et tout. C'est super à regarder, et même dans le contenu basket, il y a du basket. Après, est-ce que, je me dis, physiquement, elles ne tiennent pas? C'est aussi ça. Parce que ce qui va pêcher au bout d'un moment, ce qui va pêcher peu cher à un certain niveau, dans le haut niveau du basket, quel que soit le sport, c'est l'intensité. Et c'est ça qui va te différencier des grosses équipes, des plus petites, entre guillemets. Et l'intensité, je pense que, donc au-delà de l'expérience, elles n'arrivent pas à la tenir. Oui, aussi. Et du coup, elles donnent tout sur la première mi-temps, et après, il y a un regain d'énergie. Parce que justement, elles surjouent à chaque fois, elles donnent trop en première mi-temps. C'est ça. Et il y a une perte physique, en deuxième. Oui, mais en tout cas... En fait, c'est une gestion, mais ça, c'est une question d'expérience aussi. Il faut arriver à gérer son état physique. Son potentiel. Et ça influe forcément sur ta technique, sur ce que tu vas donner, un lay-up, un shoot, un machin. Et après, et là, on n'a pas assez appuyé dessus, et je l'avais dit en off aussi, et tu l'as redit, l'arrivée de Lexi Brown a aussi fait énormément de mal, parce qu'elle a énormément déséquilibré l'équipe. Non, l'arrivée et le départ. Parce que même quand elle était là, Lexi Brown, Charnay, ils n'ont pas gagné. Elle a pas comblé de trous. Elle a pas comblé de trous, hein, parce que elle était là et en fait elle a pris toute la place. Elle s'en est pas servie pour la bonne chose en fait. Elle s'en est servie pour son image à elle peut-être. Là c'était l'inverse, les fans. Est-ce que c'est pas un choix de coach? Après c'est un choix de coach. Oui, non, mais peut-être que c'est un choix de coach aussi. Parce que c'est dur à gérer aussi quand t'as quelqu'un dans ton effectif comme ça qui est au-dessus du lot. Et même pour les joueuses, en fait, psychologiquement, t'es en fin de match. Tu paniques un peu et ton réflexe c'est lui donner la balle et elle prend les shoots. Après, est-ce qu'elle avait pas le melon aussi, Lexi Brown? Enfin, elle sortait quand même d'un gros championnat avec elle le Sky. Elle perdu pour Lexi Brown. Après, on peut panier qu'il y a une mentalité américaine, aussi. Mais je sais pas, on peut pas le dire parce qu'on on la connaît pas. Mais si j'essaye d'avoir une vision globale de son jeu en WNBA. Elle a déséquilibré le truc, c'est sûr. Elle est aussi hyper. Elle est comme ça, elle joue comme ça. Et pourtant, elle joue poste 1, 1-2, Lexi Brown. Elle est poste 2, Lexi Brown. Bah, je crois qu'elle elle a dû jouer 1 à Charnay. En WNBA, elle fait les deux. Et elle n'a jamais été vraiment créatrice de jeu, tu vois. Non. Et elle a toujours été. Ouais, c'est une scoreuse. Elle a toujours été recrutée pour ça. Donc, Charnay,
ce recrutement, tu vois, il est un peu bizarre. Bah, c'est pour ça qu'Acharnée a mis 20 points. Bah, 48 points, après, elle faisait son meilleur concours à 3 points aussi. Mais c'est voilà. Ça. Après, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que des équipes comme Charnay ou Saint-Amand, on sait voilà, que c'est des équipes qui vont peut-être aller taper 2-3 gros autour de la saison. Mais voilà, on sait qu'elles jouent leur saison sur des équipes à leur niveau. Et que moi, ça me choque pas que Saint-Amand soit à cette place du classement et Charnay non. Je suis pas déçu. Ouais. Là où il y a d'autres équipes du bas de classement qui sont plus décevantes. Bah, Charnay, je pense qu'il manque un truc. Et voilà, mais c'est dommage parce que bah, c'est hyper ça, c'est frustrant. Je suis triste parce que j'aime bien regarder les matchs. Ah, c'est ça, les franchement, les premières mi-temps, ça, ouais. On se croirait en WNBA, honnêtement. Mais ça court tout le temps, c'est... ça balance les ballons, c'est trop bien. C'est trop ouais, bien. Ouais, mais après, il y a un moment où en fait, c'est comme un soufflet, ça redescend. Ouais. Ça se voit que t'étais à la cuisine parce qu'on l'a déjà dit, ça. Ah, pardon. Je suis désolée. Après, voilà, avoir le visage qu'elles vont entrer en play-down. Ouais, pour les JE, c'est aussi notre saison qui commence. Et... Ah, je sais pas, il fait des gros zooms, le machin. Allez. Bon, on peut parler de notre déception. Non mais on a pas le temps. J'ouvre un livre, il faut avancer. J'ouvre... Non mais là c'est vraiment sur une joueuse en fait, j'ouvre un livre. Mais, mais Louisa, tu peux ouvrir un re-ouvrir le livre. Mais c'est après les déceptions de joueuses. Ouais, c'est pas dans le... Ah bah on est encore sur les équipes. On là. Est sur les équipes là. Ah, bah, je pensais qu'on avait lancé, on va passer, on a ouais, on va aller sur les joueuses. On va aller sur les joueuses. On peut parler de Louisa Landerno. L'année dernière, elle a fait une saison exceptionnelle. Je dis pas son nom de famille parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Et là, bah, malheureusement, c'est Délie qui le dit. Malheureusement, elle est plus aussi étincelante. Après, elle a eu une grosse blessure cette saison. Bah, c'est peut-être ça. Elle a peut-être du mal à se remettre dedans. Ouais, mais... C'est trop dur de revenir des blessures. Je dis ça comme si j'étais pro. Mais, attends, Valeria Nagyadi, elle revient d'une grossesse. Mais c'est exceptionnel. Après, tu peux pas comparer. Valeria, c'est quand même une internationale française. Enfin, je sais pas, après moi je vois ça comme ça, mais. Ouais, mais après, elle a pas joué au basket pendant toute sa grossesse. Et que t'en sais, peut-être. Après, non, mais Valou, elle a. Elle a repris ses réflexes rapidement. Valeria Ayayi, Vukosavljevic, elle a préparé, elle s'entraînait avant, elle s'est entraînée après. Oui, enfin pendant. Oui, non, c'est vrai qu'elle a pas été gênée par un problème physique, quoi. C'est pas, voilà. Alors que tu vois, la blessure de Louisa, c'est soudain. Je sais pas, c'était quoi, je me rappelle pas de sa blessure. Je sais plus, je crois que c'était. C'était au mollet ? Je crois. Il me semble que, ouais, c'est à la jambe, mais je sais plus. Voilà, après, il faut du temps. T'es dur avec elle. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que la saison dernière, vraiment, elle a été incroyable, c'était vraiment la révélation de la LFB et tout. Et du coup, ben, forcément, t'as envie qu'elle te montre encore plus de choses. Ah, mais c'est ton côté fan qui parle. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être, peut-être. Mais même, je trouve ça, enfin, ça me fait limite mal au cœur pour elle aussi, parce que bah, du coup, elle ne brille plus autant, alors qu'elle mérite de briller davantage, quoi. Je vois. À toi, Albert. C'est quoi les déceptions, déception. Déception. Moi j'ai une déception, mais c'est pas une déception par rapport à une performance, c'est Alix Duchet qui me déçoit pas, mais qui je suis frustrée pour elle. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'elle revient, elle attend super vite un niveau. Tu m'as fait peur, j'allais dire waouh. Non, elle attend super vite un niveau incroyable après une énorme blessure, ce qui est assez impressionnant. Elle se donne et tout pour revenir et elle se reblesse, ça fait je crois 3 fois en. Ah, je sais pas, parce qu'elle avait même raté les sélections. Elle était blessée en octobre. À chaque fois, elle revient avec un mental incroyable, au même niveau, voire mieux. Mm-hmm. Et elle se reblesse à nouveau. C'est décevant. Mais décevant, pas du coup pour son niveau, mais pour le potentiel qu'elle a et ce qu'elle peut apporter en tant que meneuse, rapidité. Mais c'est aussi une bonne chose dans le sens où ça veut dire qu'elle peut aussi revenir tout aussi forte, parce qu'elle l'a déjà fait. Oui, mais après, moralement, ça doit être compliqué. Ça peut pas être une bonne chose. Du coup, elle va être. Elle a la capacité, elle l'a montré. Elle est super jeune. Une blessure, c'est pas une bonne chose. Elle est super jeune, elle se blesse pas à la même jambe. Sa capacité à revenir. Enfin, qui me déçoit, qui me frustre. Elle se fait toujours mal au même endroit, donc tu te dis, est-ce que sa carrière va pas être entachée un jour? Bah elle est déjà, pour moi elle est déjà entachée là, hein, parce que ça empêche tout son développement. Elle a un potentiel de dingue et pour moi il est même pas fini d'être développé. Moi je vais finir sur une autre. C'est hyper frustrant. Mais... Oui c'est frustrant, mais je pense que comme tu l'as dit, elle a la capacité de revenir à chaque fois. Elle a un mental incroyable. Elle reste quand même toujours sélectionnable pour l'équipe de France parce qu'elle a les capacités pour. Et même si elle est blessée, elle reviendra je pense que... Il y a matière A et pourtant voilà. Ça peut donner une force de caractère comme tu dis. Ah bah ouais, c'est clair. Et bah même les Poupa, elle a connu quand même pas mal de blessures aussi. On l'a vu sur les dernières années. Pourtant elle revient, elle reste toujours au niveau. Oui, c'est là où tu vois aussi les grandes joueuses. Et c'est ça, ça fait partie des joueuses. Donc
ne partons pas pessimistes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, encore à voir du côté de Alix Duché. Et en plus, voilà, elle a montré en, en Eurocup. Incroyable. Donc, voilà. Déception ? Déception. Alors, moi, je dirais Mia Touré à Montpellier. Ah, oui. Alors, je trouve qu'elle apporte plus qu'elle a pu apporter. Moi, j'ai toujours vu, pour moi, Mia Touré, c'est un jeu d'explosivité, de oui. rapidité, oui. très clutch. Alors, déjà à Basketland, quand elle jouait, à Montpellier, j'ai trouvé que ça, c'est ça a dégringolé à Montpellier. Enfin, moi, c'est la déception que j'ai, pas que depuis cette saison, déjà un peu la saison dernière, mais ça s'est accentué cette saison. Elle était déjà à Montpellier la saison dernière ? Je crois, oui. Oui. Après, la saison, les JO avant la saison lui ont peut-être fait aussi du mal. Dans, ben, je sais sur pas. Sur ce sens d'explosivité. Mais Mia Touré, elle avait pas fait une petite expérience à l'étranger Mais il me semble qu'un peu comme Abigail, elle est pas partie à l'étranger, Mia Touré. Elle était où avant Basketland? Non, mais moi je pense qu'entre Basketland et Montpellier, elle est partie à l'étranger. Vas-y, cherche. Enfin bref, du coup voilà, moi je suis un peu déçue parce que je sais que ça peut être une joueuse très spectaculaire quand elle joue. Spectaculaire. et je pense que alors peut-être qu'elle est aussi dans la vibe de Montpellier et que voilà, c'est compliqué cette saison et qu'elle est, je sais pas, peut-être impactée par ça. Elle a fait une saison en Belgique. Ah oui, c'est ça. Au Castor de Brenne. C'est ça. Castor Brenne. Brenne. Entre Basketland et. Donc voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça faisait partie des grandes joueuses qu'on attendait à Montpellier et qu'on... Oui, parce qu'en plus, elle est internationale 3-3. Elle est allée avec le 5-5 aussi. Oui, voilà, elle était au JO avec Guapo, Pagé, et il y avait qui Swan Alucé, non Oui, Swan Alucé aussi. Elles étaient 5. Tout à fait. Oui, ouais, ça fait partie des joueuses. On avait de l'espoir à Montpellier et qu'on pas... Enfin, oui. elle est à l'image de Montpellier, en fait. Ouais. Très inconstante. Moi, la première, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est Chartereau. Dans mais le sens où. Noté, en fait, c'est pas une déception, c'est de la frustration parce qu'elle sort d'une saison MVP et elle a pas la place pour s'exprimer à Lyon qu'elle avait à Bourges, selon moi. Ouais. Et du coup, elle brille beaucoup moins. Même si on regarde sa feuille de stats, honnêtement, c'est très honorable. Mais voilà, c'est un peu frustrant pour moi parce que j'avais beaucoup d'attentes avec le duo Joannès et. Je la vois pas autant briller que ce que j'avais pu l'avoir pendant sa saison MVP. Je pense pas qu'elle régresse, je pense juste qu'elle a moins de place pour s'exprimer. Mais après, moi je pense que c'est le style de jeu aussi. En fait, elle rayonnait à Bourges, mais parce que Bourges, c'est pas du tout le même type de jeu que Parce que c'est le genre de jeu d'intérieur qui aime bien s'écarter et prendre des shoots. Là où ce que Pierre Vincent est. Enfin, c'est pas trop le jeu de Pierre Vincent. Mais à Bourges, c'était un peu la première option quand elle était MVP aussi. Parce qu'à Lyon, elle est vraiment la première option. Je pense pas. C'est vrai qu'elle était cloche à Bourges avec sa jambe. Je vois que t'as des images en tête là. Elle a des flashbacks. Elle a revu des trois poitrines cloches là de Chartereau. Non, mais c'est vrai qu'elle était. Je suis pas déçu, mais je suis un peu frustrée. Après, c'est les risques quand tu changes d'équipe. Tu sais que tu changes de rôle aussi. Et donc, je pense qu'elle le savait aussi qu'en arrivant à Lyon, elle allait pas être dans son jardin comme à Bourges. C'est pareil, c'est à l'image de Lyon. J'avais beaucoup d'attentes autour de son arrivée. C'est un peu le bilan global de l'ASVEL sur les individualités. Ouais, rendez-vous en play-off. ça va être la conclusion du live. Et du coup, ta deuxième joueuse. Ma deuxième, c'est compliqué d'en parler, mais c'est plus une déception. Ah oui, non, parce que je sens que je vais blesser des gens ici. Attends, genre là-bas, par exemple. Attention, ce que tu vas dire, tu m'accroches. Je mets Céline Dumerc en déception parce que. J'ai grandi avec Dumerc et pour moi, le basket féminin, c'est aussi Dumerc. Et en fait. Je la vois juste perdre petit à petit son niveau de jeu. Elle a plus le même apport, elle a plus la même hargne, elle a plus le même physique aussi, ça me rend triste un peu en fait de voir que cette joueuse que j'ai toujours aimée est en fait un peu en déclin
et ce qui est tout à fait normal qu'elle soit en déclin. Mais j'ai peur que bah, ça soit la saison de trop et que si elle continue, ça soit encore pire l'année prochaine. Et en fait, c'est très personnel, mais voilà, je suis un peu déçu de ce point de vue-là où bah, on l'a encore vu ce soir. Moi, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Mm-hmm. Parce que je savais que j'allais en parler. Parce que j'ai préparé. Il a tâché. Et parce que, bah, en fait, elle n'a plus le même apport et ça me rend super triste. Alors, je peux répondre ? Non. 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 Pas de réponse. Critiquer Céline Dumerck, allez-y. Non, non. Non, moi, c'est pas une critique. Alors, je suis très fan de Céline Dumerck et je comprends totalement ouais, ça. Aussi, ok. Alors, moi, je vais faire l'avocat du diable, je vais défendre Céline ouais, Dumerck, du coup. Je pense qu'il va falloir aussi évoluer avec son temps et évoluer aussi avec les joueuses et se dire que Céline Dumerck, c'est plus Céline Dumerck des JO et que tu peux pas avoir les mêmes attentes envers Céline Dumerck qu'il y a, c'était en 2012, donc il y a 10 ans. Oh. Ouais. Juste quand on s'amuse. Mais t'étais pas née. Non, laisse-moi finir. Elle a joué le début de saison, elle a dû arrêter, elle s'est fait opérer d'une hernie. Donc bah, oui, forcément, elle a pas joué et elle a repris là. Moi, je pense qu'elle a plus du tout le même rôle. D'ailleurs, à Basketland, elle joue même plus meneuse, elle est plus deux. Oui. Voilà. Elle est même plus capitaine en plus, ça m'a choquée. Ouais. Mais ça fait oui, mais après, ça c'est normal. Ouais. Elle a une grande partie de la saison, elle était pas là. Donc, oui, à un moment donné, oui, non, mais oui. Voilà. Et mais je pense... tu sens vraiment que c'est la fin d'une ère, quoi. Oui, moi, bien sûr. Et je pense que tu vois, là, aujourd'hui, elle a joué quoi 10 minutes. Je sais ouais, pas. Une quinzaine de minutes. Je pense que c'est l'apport qu'elle a. Moi, je pense qu'elle a plus un apport maintenant, pas dans le scoring, mais dans la vision de jeu, dans la manière de distribuer. Mais que bien sûr que je peux comprendre ouais, que elle a, ouais, exactement, elle a un impact, sûr, tu la vois sur le bar, il y a une présence, etc. On voit pas tout, mais je pense qu'aussi, voilà, c'est un cadre, c'est quelqu'un qui sait motiver, qui sait parler. Mais bien sûr que oui, c'est plus la scène du Merck qui faisait des gros scoring. Mais... Moi, attends, je rejoins juste ce qu'elle dit, j'aime bien parce que je balote. Mais en gros, vous êtes... Je suis tout le temps en contrainte pour que quelqu'un décider, c'est horrible. On va se faire des battles. Non, mais elle a raison dans le sens où Céline Dumerck, elle a le rôle qu'elle avait en équipe de France et qu'on attend encore toujours, je suis désolée, en équipe de France, de... d'encenser, parlant, en restant sur le banc, en motivant. Elle fait avec ce qu'elle a, quoi, avec les armes qu'elle a. Mais c'est un apport hyper important que, et je vais le dire, je le redis, en équipe de France, on le cherche encore. On a le leadership, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un leadership qu'on expérience. Au-delà même de l'expérience, parce qu'il y a d'autres joueuses qui sont expérimentées aussi à Basketland, c'est vraiment le leadership, c'est avoir le bon mot au bon moment. Elle va mettre une tape sur l'épaule de Marine Fotoux. Elle va, à un moment donné, bah, chérie, quand elle met son 3 points, elle va la chercher en mode ouais, c'est bien. Elle l'encense, oui, tu vois, et ça les galvanise. Et y a un truc. C'est un vrai plus 20. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait mal au cœur parce que c'est une chose qu'on a l'habitude de voir briller, rayonner. En fait, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Le seul truc, en fait, c'est pour ça que c'est personnel, c'est ma déception personnelle et ma tristesse. C'est justement ce changement de rôle où, en fait, avant, elle conciliait les deux. Elle était la voix en dehors, mais aussi sur le terrain. Et aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus en dehors, je pense, sur le banc et dans le vestiaire. Et elle a presque... En fait, elle a un rôle de capitaine déguisé, honnêtement. Mmh. Et où, elle, en fait, juste ce qui me rend triste, c'est qu'elle n'a plus le même apport sur le terrain. Évidemment, il y a... En fait, c'est tout à fait normal. C'est même pas une critique envers elle. C'est normal. Mais je suis d'accord. Après, je pense qu'il faut... Tu vois, on parlait de Sarah Michel tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte de l'apport que Céline Dumerck a. Maintenant, tu vois, elle n'est plus dans le scoring. Mais c'est vraiment dans la manière dont elle peut distribuer les jeux. Et enfin, il faut le voir. Mais moi, je trouve qu'elle a un impact quand elle rentre. Dans la manière même de distribuer. Et même quand elle rentre pas, quand elle est sur le banc, elle est sur le banc, elle est assistante son coach. Rôle, son oui. rôle aujourd'hui n'est son plus. C'est l'assistante coach de Julie Barrès. Tous les matchs, elle était blessée, elle était là. Je la préférerais dans un rôle comme ça, d'assistante coach à Basketland, plutôt qu'à chaque fois je la vois sur le terrain et je me dis, mais c'est. Parce qu'après, je pense qu'elle a le mental, c'est aujourd'hui c'est le physique qui a craqué parce qu'elle a l'âge qu'elle a. Et je pense que ça lui fait encore plus de peine à elle qu'à toi. C'est encore plus dingue qu'elle soit retenue d'ailleurs. Oui, mais parce voilà. Elle aurait pu lâcher et dire bon, bah c'est bon quoi. Bah, bien sûr, après c'est pas la mentalité. Voilà, je pense que c'est une grande championne, elle l'a montré. Elle a performé à Bourges pendant des années, elle a joué à E4, elle a joué en WNBA. Aussi. Elle a un gros CV, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je comprends qu'elle peut être décevante maintenant. Mais ça, je te dis qu'il faut aussi évoluer avec son temps. Faut juste que je tourne la page, c'est tout. Exactement. Pour grandir, on va t'offrir un maillot. C'est vrai quand tu verras, même si les lumières des 3 points. N'existe pas, sache-le. Mais le moment où elle met le 3 points dans le match, j'ai eu une joie intérieure. Elle est là, c'est le seul moment où il a crié. Je la vois, elle est là, tu vois. Alors que par exemple,
Et honnêtement, je n'aime même pas l'apport qu'elle a sur le terrain à Basketland. Pour moi, elle ralentit le jeu beaucoup et je retrouve pas l'organisation qu'elle avait. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle a plus, sur le terrain en tout cas, elle a un rôle que je n'aime plus. Bah, alors, bon, vas-y. Je vais clore le débat, sinon on a pour 4 heures, on est déjà à 2 heures d'émission. On n'a même pas fini. Lévi, il a des petits yeux, il a envie de dormir. En plus, vous êtes tous fatigués parce que vous avez crié toute la journée. Non, ça va, moi j'ai un regain d'énergie. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors... jusqu'à 3 heures du mat. Lévi, bonjour. J'ai vu l'émission en direct, tu vois. Place VIP, c'est vrai que c'est compliqué. Ça sert à rien que je, tu vois, je suis d'accord avec vous des deux côtés. En fait, c'est une déception personnelle, donc laissez-le tranquille. Donc, moi, je comprends ce qu'il dit. Offrez-lui un maillot d'éducation, merde. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est complètement logique. Mais c'est aussi le fait que. Mais on va pas continuer le débat. Ça, t'as réveillé les nuits. Normal, tu vois. Mais moi, je fais le parallèle avec les joueurs NBA parce que c'est le seul truc que je connais. Mais tu vois, à l'heure actuelle, un mec comme Aslem ou Hit, ça fait genre 20 ans qu'il est dans la franchise. Oui. Le mec, il est payé, il est sur le banc. Bah, pareil, quand il rentre. S'il rentre, il fait rien sur le terrain, mais par contre, bah, il est quand même là, tu vois. Et là, c'est la même chose. Ça lui donne en 4. Ouais, bah, c'est la même chose. Bon, à l'NBA, il y a ça aussi. Il y a pas mal de joueurs américains, des anciens joueurs NBA qui sont les là, anciens, juste sur le banc. Ouais, je comprends, mais ouais, c'est un autre rôle qu'elle a. Ouais, mais on est tous d'accord. Et du coup, t'es déception. Voilà, merci, j'en étais sûre. Voilà, merci. Il profite de tout ce qu'il y a à prendre. Il y avait un autre truc. Moi, je kiffe tout le monde. Il y avait nos meilleures joueuses. Les joueuses en ascension. Ouais, les joueuses en ascension. Et ça va être tendu, ça, les amis. Hein. Parce qu'on a 2 heures d'émission. On va faire notre quiz, nos 200. Ouais, je pense qu'on va faire le quiz. Les pompes. Non, si on fait. On en a déjà parlé des joueuses en ascension. On peut peut-être juste faire le débat MVP. Regan ou Iliana. On l'a déjà commencé. Regan. On l'a déjà fait. Est-ce que, à part ces deux-là, vous avez d'autres noms ou pas? Bah non. MVP. Moi je voudrais citer Peterson quand même de Angers, que j'aime bien. Ouais, mais elle est pas à dents sur tous les matchs. Elle sera pas MVP, mais c'est juste que pour moi c'est le troisième nom. Ouais, j'ai mis. Je connais pas les. Ça me reste bien, c'est pas une question de club. Ouais, mais je connais pas. Enfin, tu vois, je. Ouais, c'est la stat. Ouais, le problème, c'est que tu veux mettre qui d'autre en fait. Enfin, pour moi c'est le troisième nom parce que c'est celle qui sera. Mais tu vois, par exemple, Anastasia, je pense que si elle avait pas été blessée, je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup de gros matchs cette saison. Mais t'as Julie Allemand aussi. Après, avec peut-être un refrain de Julie Allemand, elle fait tous ses matchs. Non, elle a été blessée une bonne partie de la saison. Julie Allemand. Elle a eu ses problèmes. Psychologique. Oui. Mais c'est pas psychologique. Tu peux la mettre un petit peu plus bas dans la liste. Ça veut dire qu'on est fatigué. Honnêtement, elle est sur mon papier. Ah bah voilà. Sur mon papier, il y a Allemand, Peterson et je voulais citer Alexander de Lyon qui, sur 3 matchs, a 18 points de moyenne et je sais pas comment elle est. Ouais, donc il fait du bien à Lyon. Voilà. Elle est à 18. On attend les playoffs. Rendez-vous en playoffs, comme dirait J.E. Allez, on fait le petit quiz et on va dormir. Parce qu'il y a école demain. C'est quoi le quiz? Ah ouais, venez, on fait des équipes. Déjà, on met pas les mêmes. Je suis avec Julie. Elle a l'air de connaître plein de choses. Tu veux faire des équipes, genre qui moi, je sers à rien. Donc. Attendez, non, vous avez fait l'équipe. Moi aussi, comment ça, je sers à rien. Moi, je pense que un pour tous, tous pour rien, à chaque heure. Oui, mais ça, c'est pas grave. Déjà, nous deux, on peut pas jouer parce qu'on a les. Moi, nous deux, on joue pas. Donc. Mais voilà, moi, je fais le jeu des tatouages. Chacun sa pomme, c'est pas grave, on fera des. Chacun sa pomme, et puis. Et c'est quoi le défi? Comment? Bon, au pire, qui se pense fort. Non, mais c'est pas. Julie, ça dépend des questions. Mais moi, je me pense pas fort. Non, mais t'as des connaissances à mi-féminine. Plus que les hommes. Honnêtement. Oui, non, mais après, il part de zéro. Enfin, je veux dire. Elle savait que je vais appliquer là, c'est bien. C'est pas des questions, mais c'est toujours sur la LFB. C'est quoi? Là, tu vas devoir. C'est un LFB, évidemment. Alors, stop. C'est que de la LFB. D'accord. Le jeu, c'est j'ai joué avec. Donc je vais vous donner une liste de prénoms. Eh, les gens font de la face là. Ouais, j'ai joué avec. Vas-y, vas-y, vas-y. Non mais moi je suis chaude. Oh, on dirait mes élèves. Est-ce que juste on met des règles? Oh, faut pas dire, faut lever la main. J'ai même pas fini d'expliquer les règles. Je me tais. Donc le but du jeu, c'est de trouver la joueuse dont on parle. D'accord. C'est j'ai joué avec. Donc admettons j'ai joué avec ces gens. D'accord. Je suis quelqu'un. D'accord. Mais qui suis-je? Quelle est la sanction pour les perdants? Eh bien, c'est toute la question. Live. Ils sont punis. Ah oui, mais j'ai la vaisselle. À chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse, la personne part. Le cyber. Non, mais ça marche pas, une mauvaise réponse. Il y a 5 jeux. On va faire ça. Alors, il y a 5 questions. 5 jeux à trouver. Merci. C'est la même joueuse. C'est des trucs connus, je pense. Ouais. Moi, je suis prête.
secrète. Et c'est quoi le, juste le gage, il faut que je prévienne. Il n'y a pas de gage, il est trop tard. Ok, tu vas faire 10 pompes. Est-ce qu'on peut faire les pompes maintenant avec les nids? Il n'y a pas d'équipe, vous êtes chacun pour votre pomme. Oui, comment on donne les réponses? On lève la main, non. Ok, il y a écrit. Et comment on sait qui a levé la main en premier? J'ai un miroir. C'est des antisèches, c'est quoi? Il y a les réponses en fait là. Ah, c'est les réponses sur l'écran? Non, pas du tout. Non, bon, allez, vas-y. Vous savez que je vois rien? Vas-y, on t'écoute. Chut, allez, on t'écoute. Je me concentre. Du coup, tu attendez, je vois pas. Les Landais, ils veulent tout gagner quoi. Du coup, on lève la main, fait quoi? Ouais, on lève la main et c'est la barre qui va dire qui a levé la main en premier. En plus, si vous voulez, on fait des équipes, je joue et comme ça on gagne. Non, moi je suis pas une meuf qui triche. Ah, vous êtes trop dissipés hein. Excusez-moi, mais je vois pas en fait, c'est trop petit, je suis désolée. Ouais. On écoute hein. Allez. Oula. Enlève le son. Ouais. Alors, j'ai joué avec. Ah, c'est trop. Amanda Zawibi. Ouais, Céline Dumerc. Ouais. Sandrine Gruda. Sarah. Elina Siak. Non. Est-ce qu'elle peut encore répondre ou pas? Oui. Meurs subite. Bah ouais, attends. J'avoue. Non, on a pas annoncé la règle. On a annoncé la règle pas dans le jeu. On est où là? On est pas en train de faire un Uno. C'est le Uno. Elle a le droit de refermer tout à l'heure, c'est vrai que mais si après, tu lèves la main, ils n'auront plus le droit. Mais non, c'est bête. Mais sinon, je lève la main et je dis un nom tout 43 noms qui vont sortir. Ouais. Non, parce que là, pour le moment, la limite, c'est vraiment bien. Moi, je suis contre et on annonce des règles. Alors, Sarah Michel. Je l'ai. Vas-y. Marie Johannes. Ouais, c'est bon. Bien, ouais. Elle a joué avec Amanda Zawibi au Liberty, avec Sandrine Gruda en équipe de France, avec Elena Siak. Elle a fait tout le truc. Ok. Attendez, pourquoi mon truc il est pas dans... Ah ok, c'est dans le sens. J'ai même pas trouvé. Alors, j'espère que vous avez pas vu. Non, j'ai rien. J'ai joué avec Samantha Whitcomb, Alix Duché, Marine Fotoux, Stéphanie Dolson, Laia Palao, Gabi Williams. J'ai fait le dire au pif parce que c'est la seule que je connais. Je vais lever la main, sortir le nom que je sais, que je connais. Elle a joué quand avec Samuel Wilcombe au BLMA. Au BLMA. Il y a deux ans. Elle a joué quand avec Alice Richardson au BLMA aussi. Au BLMA. En fait, t'as pris des joueuses de WNB. Bah, à Chicago surtout. Non, avec non, on a pris des joueuses connues. Ouais, franchement, en défense. C'est quand même connu. Bon, alors. Ensuite. Gabi Williams, ça c'est bon, on a trouvé. Alors, j'ai joué avec Andy Miyem. Ça commence. Julie Barren. Ouais. Non. Mais t'as écrit Julie Barren. T'as dû le chanter possible. Si, c'est ça. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Marie-Ève Pagé. Kendra Sherry. Meuf de basketland, bah... C'est elle. Céline Dumerc. Ouais, ah oui, c'est Céline Dumerc. Ah, voilà, voilà. T'as vu la main jouer avec elle. Elle a joué avec sa collègue. Oui, Julie Barren, oui. C'est l'année où Barren a arrêté. Ouais. Elle a joué un an avec Julie Barren. Ouais, c'est la dernière saison de Julie Barren. Ça fait pas longtemps que Julie Barren a arrêté les gens. Non, ça fait peut-être 5 ans. Et c'est pour ça que franchement, moi je salue les prestations qu'elle fait avec Barren. Enfin, je joue pas du coup, mais la manière dont elle coach du basket, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Sur quoi non, tiens, venant de ta part. C'est très objectif en tout cas. Ça veut rien dire, genre, c'est pas 35 ans que t'as le droit d'être coach, c'est ça? Non, parce qu'elle a pas plus d'expérience, elle est dans un gros club et tout. Genre du Merck. Ouais, ça se marre. On s'écarte. On continue le jeu. Allez, j'ai joué avec Beck Allen. Oula. Candice Dupri. 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 Nafisa Collier. Anna Dabovic. Alexa Chartereau. Kelsey Mitchell. Anna Maria Philippe. Non, j'ai pas. Tu peux redire du début? J'ai pas dit. Alexandra Krivendakic. Ah bah Julie Allemand. Dabovic. Julie Allemand. Non, elle a dit Dabovic. Ouais, ah merde. Mais par contre, Beck Allen. C'est. J'ai pas du tout la ref là. Mais elle a pas joué en WNBA. C'est en WNBA, je crois. Bah Julie Allemand, elle jouait. Elle a joué à la. Elle a joué à Indiana. Bah Beck Allen, elle jouait au Liberty. Elle a jamais joué à Indiana, Beck Allen. Bah ouais. Mais elle a pas joué. Non, c'est en France. Mais elle a pas joué à la semaine, Beck Allen. Ah, attends.
C'est Agathe qui a joué à l'ASVEL, en effet. Oui, ouais. C'est à je pense que j'ai le droit à un peu bonus du coup. Non. J'ai rectifié ouais. La. En fait, qui a compté les points? Mais deux, il y a zéro pour. Moi j'ai zéro, j'ai compté les points. Il n'y a que deux par deux. Deux. C'est la finale. Tu peux compter les points du coup pour moi, s'il te plaît. 2017-2018. Ouais, avec Ellie Peters même. Saint-Amand vs Basketball. Donc là on est à 2-2. Ouais. Okay. Oh là là, c'est la finale hein. Je sens que je vais m'écrouler là. elle va nous faire un Saint-Amand. Saint-Amand, premier trophée de la saison. Elle va nous faire un charnet. Ok. J'ai joué avec... Je peux dire les noms parce que je vois rien moi. Attends, je l'ai pas ce que je t'ai donné. Ah ok, pardon. Moi j'ai joué Ali Kugli. Ali Kugli. Je sais pas qui c'est, ça commence. Alina Yagupova, elle voit tellement rien. Alina Yagupova, Ella Peters, Catherine Plouf, Sarah Michel, Iliana Rupert, je tente un truc. Et Lydia Turcinovic. Ah, quoi? Lydia Turcinovic. Voilà, si on m'a pas dit. Bon, je tente Nayo Rinkok. Non. Putain. Attends. Donc, Ali Kugli. Oui. Minia Touré aussi. C'est Brie Hartley. Comment t'as levé la main comme une. Well, like a princess. On sait que vous voulez toutes les deux là, c'est bon. Attends, je refais. Alina Yagupova, Ella Peters, Lydia Turcinovic, Ali Kugli, Minia Touré, Catherine Plouf, mais t'as plus le droit de jouer. Mais c'est une française? Non, mais c'est une française, je suis en train de réfléchir. Là, je... C'est une meuf qui a joué à l'ESBVA. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais taisez-vous, de jouer. On a vraiment le même cerveau. Je peux vous donner des noms. Donne des indices. Mais on veut plus jouer. Vous avez plus le droit de jouer. Moi je veux trouver même si on ne va jamais trouver. Non, je veux trouver. C'est une meuf qui a joué à l'ESBVA. Ah, je sais. Mais je sais aussi. Moi aussi. Je la connais. Bah au pire on peut le dire à 3. Non. Genre on les laisse jouer parce que c'est trop nul. On peut le dire à 3, 1, 2 et... Ouais vas-y, non mais au pire on peut le dire à 3. Attends, on peut pas faire la même personne. Non mais faut que tu redises les noms. Ah, mais on va pas le faire 25 fois. Bon, attends, je vais regarder. Non, mais attends. Mais moi, je pense savoir. Mais allez, on a pas que le time là, dis-le. Mais j'aurais dit Valérie Nayani, non? Non. Bah non, Ali Kugli, elle aurait joué quoi avec? Je suis conne. Moi, je sais pas. En fait, non, j'allais dire Armand, mais non, elle a pas joué avec. C'est qui? Elle est Peters. Olivia Epouba. Elle est Peters, c'est une. C'est la, une elle... Let's go! Mais je te l'ai dit. Olivia Epouba et Ali Kugli. Non, tu l'as pas dit, c'est limite. Non, avant. Attendez, pause. À quel moment elle a joué avec Turcinovic? J'en sais rien, j'ai dit. Olivia Epouba elle a jamais joué avec Tosinovich. Mais j'avais Ali Kugli à quel moment? Quand t'as dit Ellie Peters, j'ai dit Epouba. Ellie Kugli peut-être en Australie. Mais ouais, attendez, Agathe. C'est la seule que je connais. Elle donne le. Bah attends, j'ai noté. Non, on fait des couilles avec des fausses infos. Elle a les infos. Mais non, Agathe, elle a bien travaillé. J'ai gagné, c'était un tour et un. Je veux savoir à quel moment elle a joué avec Tosinovich. Non, Alman a gagné, pardon. Mais je m'en fous, je sais même pas si je l'ai dit ou si je l'ai pensé de toute façon. Parce que je me rappelle que j'ai mis. On aura le replay. Bon, spoil, elle a jamais joué avec Tosinovic. Prochain jeu. Réponse annulée. Prochain jeu. Bah, c'est pas beau. Allez, on enchaîne là. Est-ce qu'elles ont pas joué ensemble à Toulouse? Mais c'est pour ça. Mais Quigley, quand c'est Toulouse? C'est pas grave. C'est comme au basket. On discute pas l'arbitre. Non, mais je respecte, mais juste je veux savoir. Bon, elles ont joué à Toulouse ensemble avec Tosinovic. Et voilà. Et Quigley, c'est avec. Et c'est quand? Et c'est où surtout? C'est pas en Australie? Elle a joué en Australie. Voilà, là ça y est. Eh bien écoutez, je crois qu'on a tout fait. On a fait le quiz. Non, il n'en restait pas un. Non, on a fait 5. Là, ils ont fait 2 points, 2 points et voilà. On n'a pas de gagnant, c'est nul. Bah... Mais comment on fait pour se départager? Moi, je veux. Non, j'ai pas. Et bah, vous faites un chifou? Non, faut un truc intellectuel. J'ai gagné.
cite toutes les joueuses de Basketland et elle cite tout. Je sais pas, vous choisissez un centre de formation, un truc comme ça, et on doit citer le plus de joueuses qui Moi, je cite toutes les joueuses de Basketland et toi, toutes les joueuses de Saint-Amand, la première qui est choisie. Oh, bah, je vais perdre. Non, on peut faire un truc. C'est pas du jeu, ça. Citer le nombre de joueuses, le plus de. Genre, chacun votre tour. Vous citez une joueuse qui est passée par telle équipe. Genre, pour une équipe connue, genre, j'en sais un, Belle Emma, et vous citez chacun votre tour. Non, on va faire les mascottes. Les logos. Les mascottes. Non, en vrai, je pense que je connais. Oh, je suis nulle. Alors, sur les logos, les mascottes, c'est différent. Non, mais y a rien à gagner. Y a des logos, y a pas de trucs sur le logo. Bon, ok, bon, vas-y, je vais donc. Bon, Charleville, leur logo, c'est quoi? C'est Flamise. Et leur logo? C'est FCB. Non, on va faire mascotte. Mascotte, c'est tout simple. C'est Flamie. Flamie. La mascotte. Tarbes. C'est Groomy, un truc comme ça, je crois. C'est un ours, c'est un ours, il est marrant et il a la tête jaune avec, Agathe, c'est la avec un serre-tête violet. Elle a un chaos technique, meuf. Tu m'as mis un pont comme ça. Bon, honnêtement, la mascotte marrant, de Saint-Amand. Mascotte de Saint-Amand, allez. Vas-y, si vous voulez, on fait le truc là, vous choisissez un club et on dit plus de choses. C'est ça. C'est chiant. C'est ça la mascotte de Tarbes. Regarde, oh certaines joulées. Ah ouais, d'accord. C'est bah, franchement, chaotique. Et bah, elle a gagné. Ouais, voilà. Et je suis là. Très fair play. Bon, personne ne verra d'ici. Mais... Journée de la win. Il n'est pas encore mignon, on peut aller jouer au loto si vous voulez. Ouais. C'est vrai que ça a gagné un titre et un autre titre aujourd'hui de MVP. Mais je finis belle deuxième. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être heureux, supportez Basketland. Ah, c'est ça. Si vous êtes chanceux, on verra au playoff, comme dirait Gio. Rendez-vous en playoff. J'attends. J'ai l'impression qu'on va se taper. Il faut des trucs qu'on fasse un live après. Sachez que dans la compétition. Il faut retrouver un appart. Sachez que dans la compte Discord, quand on a parlé, quand je suis arrivé, que j'ai dit que j'étais pour l'Asvel et que Amaury m'a taillé, sachez que j'ai gardé ses screens en attendant. Genre où il dit être supporter de l'Asvel, c'était la mode en 2019. Oui, L'Asvel, c'est pas une équipe, trop voiture, j'en sais rien. J'ai gardé les screens et on se voit en fait. Amaury, il est pas sur le live, mais comptez-vous, chien. Ah ouais, franchement. Bon, alors vous voyez, on dirait pas comme ça, mais je vous jure, on s'entend bien. On a une équipe très sympa. Ça dépend. C'est pour ça qu'il était un peu puni, mais il a gagné un point. On lui a donné et tout. Je lui ai donné la faute des réponses, mais il n'est pas. C'était le 13 mars. Bourges va battre Basketland jeudi en Eurocoupe. Et Basketland va se venger en Coupe de France. Retenez ce message. Sûrement la meuf trop coach. Bref, il faut conclure cette émission. Il faut conclure cette émission. Je vais mettre fin à ce bordel. Vous avez été très dissipé, mais vous avez été très. Très très bon. Très non, ouais, voilà, merci, c'est le mot. Vous avez été. Explosion. De quoi? Merci. On a dit explosion même. Au passé, je sais pas. Il est passé. Julie, à chaque panier, elle disait explosion. On va s'arrêter là, parce que là, ça déborde. Il faut conclure. Bon, tout le monde est dissipé. On arrête. Je reprends la main. Je dis stop. Merci à tous. Je dis stop. Oui, je dis stop. Merci à Julie, merci à Agathe, merci à Léa, merci à Alban. Alban, Léa, Agathe, J.E. On dit J.E. Lévi. Merci à toi aussi. Ça fait genre, c'est un pseudo et tout. Excuse-moi. Et voilà, merci à ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé des messages, à ceux qui ils continuent de parler pendant que je parle, c'est vraiment insupportable. Et voilà, merci à tous de nous suivre régulièrement aussi sur les réseaux sociaux et de nous soutenir. On prend pas de dons, mais bientôt peut-être, on en a besoin parce que ça coûte un peu cher. On a besoin d'argent pour le Airbnb. Ouais, voilà, on a pris un crédit pour le Airbnb. Voilà, bon bah, c'est bon, la caméra elle est là-bas. Supportez Basketland surtout. Voilà. Surtout pas. Si vous voulez mourir vieux et en bonne santé. Et voilà, bah merci allez, à tous. Saint-Amand. Allez, ciao. Enfin. Vous êtes des malades. Je ne parle plus à personne. Comment vous avez dénigré ça sur le live.